et bienvenue dans le dixième et dernier numéro de Confluence pour cette première saison. Première, riche en enseignements où la longueur des débats, des polémiques, de l'humour nous ont permis de revisiter les sujets du monde avec détachement, mais aussi avec grande passion. Et pour couronner cette première saison, avant d'aller en vacances et de revenir en septembre plus affûté, nous allons parler du rire et de la culture, deux pieds sur lesquels on n'a pas cessé de danser. Et nous allons le faire avec deux invités. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, l'équipe pour ce soir. Souleymane Gueye, bonsoir. Bonsoir, M. Gassi. Mbougarsar, bonsoir. Bonsoir. Lynx, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Gakko, bonsoir. Bonsoir, Elgaz. Ndeyman Sall, bonsoir. Bonsoir, Elgaz. Touko, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Parfait. C'est très très bien pour cette veille de Ramadan, monsieur. C'est vous nous rapprochez un peu de la foi qu'on avait perdue dans Confluence. Parlez pour vous. Parle pour toi. Merci. Oui. Oh, tu es une faillotte. On en reparle de la peste mondiale ou pas? Veille de Ramadan, on essaie d'être sain. Enfin, on va essayer. S-O-I-N? Ok, désolé. Avant de vous en dire davantage sur le sommaire, mes chers amis, voilà maintenant 4 mois que tous les 15 jours, on se propose de refaire le monde. Après 10 numéros et de prestigieux invités, des éclats de rire, que gardez-vous comme souvenir de cette première saison? Alors, Lynx. Comme souvenir de cette première saison, c'est difficile quand même. Mais je pense que le souvenir le plus poignant que j'ai eu de cette première saison, c'est un moment. Oui. C'est quand Touko a appelé Majalis, Moshiris. C'était épique. Je me suis tordu de rire en. Mais qu'est-ce qu'il y avait de cocasse dans cet échange? Non, c'était Monsieur Majalis, arrière-petit-fils de Serigne Touba, qui s'entendait se faire interpeller par Moshiris. Par Moshiris, avec toute la majesté qui lui sied. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Quoi. Ça, ça révèle un peu le ton de Confluence. On l'a eu en face, on a eu un débat tout à fait cordial. Eh. On reste dans les tonalités de ce qu'on a déjà fait. Il n'y a pas à dire. Alors, Nanou. Oui. Alors, parce que moi, je rappelle un peu à l'audience de Confluence que Neyman se fait appeler par le délicat surnom de Nanou. Délicat, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'éviterait d'avoir quelques ennuis. Oui. Alors, le souvenir qui m'a le plus marqué. Et toi, du coup, c'est c'est la fois où on s'est tous foutus de la gueule du boulot, où il n'arrivait pas à lire sa chronique parce que tout le monde avait des crises de rire et il ne comprenait pas. Je vous interromps parce que vous êtes très méchante. C'était la cuisine interne de Confluence. Ouais, c'est n'était pas vrai. Censé être le côté de cuisine. Oui, mais ça arrive, des accidents. Arrêtez de. C'est le making of. Oui, ça s'est passé off the weekend, mais ça s'est quand même passé et on s'est tous foutus de la gueule du pauvre Iboulot et qui a rien compris. Moment très épique parce que je le rappelle, maintenant que Neyman l'a un peu donné en mille, Iboulot avait écrit sa chronique sur XL, ce qui est quand même assez improbable, et il avait eu du mal à la lire parce que les idées n'étaient pas forcément claires. Alors, monsieur Sarr, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première saison de Confluence? Oh, beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé les entrevues avec Félouine Sarr et puis avec mon ami Seyou Mamadio. Mais je pense que je vais rester sur Majalis. Le moment où, après lui avoir dit que Penda est célibataire, où après un rire qui arrive à son terme, il lâche un « wouh ». Et ce moment-là, je pense que il était vraiment très très beau. Il faut retrouver l'émission, mais je pense qu'il faut se le repasser. Excellent, excellent. Et après ça, il ose se prétendre l'ami de Majalis. Mais quel truc. Excellent choix. Et je vous propose donc, sur cette gaieté ambiante, de finir cette saison sur ce qui aura été notre identité au final, l'érudition, mais aussi l'impertinence, la légèreté rafraîchissante. Tout ça pour lancer Confluence. Au sommaire pour ce soir, une question assez sèche, mais qui a tout son sens. Peut-on rire de tout au Sénégal? Et pour en parler, nous allons traiter de l'humour sur toutes ses coutures, de la presse satirique à la comédie de rue en passant par le théâtre. Qu'est-ce qui fait rire les Sénégalais? Comment rient-ils? Nous en parlons avec deux invités, Ousseynou Narguey et Ibou Fall, très légitimes sur le sujet. Deuxième sujet de Confluence, Saint-Louis et le Sénégal viennent de perdre Charles Camara. Unanimement salué comme une figure majeure de la culture, son legs
de l'aveu de ceux qui l'ont connu est un grand héritage pour le Sénégal. Nous rendons donc un hommage à Charles de Camara dans Confluence avec un focus sur les autres serviteurs de la culture au Sénégal. Et pour finir, dernier à passer sur notre très très bienveillante guillotine, à tout seigneur, tout honneur, le pensionnaire de la Maison Blanche, Barack Hussein Obama, rien que ça, pour mettre tout ça sur de bons rails, une fenêtre musicale pour commencer, et c'est Touko qui nous séduit avec ses goûts musicaux. Qu'est-ce qu'on écoute, monsieur Ramirez? On y reviendra plus tard. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette musique? Ce sera Across the 110th Street de Bobby Womack. Formidable, je ne connaissais pas, on va découvrir. C'est aussi ça aussi, le sens de Confluence. Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman this week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You better. Nous sommes toujours dans Confluence et nous allons parler de l'humour au Sénégal. Faut-il rire de tout? Peut-on rire de tout? Y a-t-il des tabous auxquels il faut faire allégeance? L'humour est-il, comme on le dit très très souvent, la thérapie pour guérir de tous les chagrins? Nous allons essayer d'en avoir le cœur net. Et pour nous éclairer, deux acteurs majeurs. L'un, Ousseynou Narguey, homme de presse, il a commis plusieurs articles dans la presse généraliste et satirique au Sénégal. C'est dire s'il connaît les rouages de cet univers. Ousseynou Narguey, bonsoir. Bonsoir, Souleymane. Et son jumeau en frasque, Ibou Fall, agitateur et patron de presse satirique, qui nous a offert plusieurs quotidiens, Tract, Frasque et son dernier bébé, le petit railleur sénégalais, mensuel satirique, Ibou Fall, bonsoir. Bonsoir, Souleymane. Alors messieurs, carte sur table, première question, on va y aller sans détour. Peut-on rire de tout au Sénégal, Ibou Fall? Le rire est individuel d'abord, donc on peut rire de tout, mais pas de tout le monde. Voilà, moi je pense qu'il y a des cercles où on peut se permettre de rire avec tout le monde, parce que c'est des affinités intellectuelles, une manière de regarder le monde, et c'est ça l'attitude par rapport à la vie. Il y a des cercles où on peut rire.
Avec qui on ne peut pas rire? Des noms. Ah, mais il y a des sujets, par exemple, vous parlez à Talibé de son marabout, il rigole plus. Mais les Talibés n'ont pas le sens de l'humour? À partir de l'instant où ok, c'est entendu cette première réponse. Je vous pose la même. Si je peux intervenir dans ce sens-là. Mais bien sûr, allez-y, monsieur Gay. Oui, moi, ce serait pour dire que le rire au Sénégal, je crois qu'il faut vraiment l'approcher d'un point de vue carrément exotique. Voilà. Et je veux dire, le poser sur la stratification sociale, c'est peut-être un peu compliqué tout ce que je dis, mais il y a deux proverbes qui me viennent à l'esprit. L'un dit bonne pour les cas. Oui, traduisez pour notre audience francophone. Ça veut dire les dents qui s'affichent dans un sourire ne le font pas pour un objet, j'allais dire, de paix. Ok. Je sais comment je peux le traduire encore mieux que ça. Je vais pour un motif. Ça n'annonce rien de bon, quoi. Les dents qui s'affichent n'annoncent rien de bon, quoi. Oui. Donc, j'en dirais que le rire, c'est quand même quelque chose, j'allais dire, qui participe pratiquement du complot, quoi. Oui. Il y a ça. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais m'apesantir pour approcher la question du rire au Sénégal, oui, c'est un deuxième proverbe qui dit que « Mak Bukaran, Mak Dofon ». Ok. Donc, c'est vraiment entre classes d'âge qu'on peut partager le rire et les motifs du rire. Ok. C'est-à-dire, deux personnes qui ne sont pas de la même classe, qu'elles soient une classe d'âge, qu'elles soient… C'est un limité intellectuel. Exactement. Mais je vais vous poser une question. Vous avez assez vécu, même si vous êtes très très jeune. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez côtoyé plusieurs cercles sénégalais. Mais est-ce qu'il y a cette tradition du rire? Est-ce qu'on rigole beaucoup au Sénégal? Est-ce qu'on aime ça? C'est-à-dire faire des vannes, faire des blagues et rire? Non, c'est un peuple de chahuteurs. Oui. Mais justement, c'est parce que dans le rire, il y a une forme de conspiration. Mm-hmm. Et peut-être c'est là qu'on retrouve aussi le rire. Comme j'ai dit, on ne peut pas rire avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de conspiration du rire. On rit de nos affinités par rapport à une situation générale. C'est-à-dire qu'on rit entre nous parce que je pense que c'est une manière aussi de résistance à une forme d'impérialisme intellectuel ou même culturel. Okay. Parce que le rire, je pense, est d'abord une manière de résister à la fatalité. Ce rire-là, dont la satire fait son fond de commerce, oui, est un rire de résistance. Qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de lancer ce journal, Le Petit Railleur Sénégalais, qui paraît depuis peu, un mensuel satirique? Je fais court ou je fais le temps? Faites court. Faites court, ce sera mieux. C'est parti. Donc, c'est d'abord ma culture. J'ai appris à lire dans le dessin, dans la bande dessinée. Ah, là tu pars de loin. Hein. Non, c'est trop court. Et donc, j'ai une inclination naturelle à écrire satirique et déformé. Okay. Parce que c'est le dessin, c'est le rire. Et donc, tous les journaux que j'ai pu faire, que ce soit Trac-Trac, même si officiellement c'était pas des satiriques, ils étaient iconoclastes, ils étaient rebelles. Oui, on vous le confirme d'ailleurs. Et voilà, c'était vraiment des journaux iconoclastes, des journaux rebelles, qui ont beaucoup charrié les hommes publics. Oui. Et récemment, j'ai eu 4 personnes différentes qui m'ont dit qu'il faut qu'on fasse ensemble un satirique. Je me suis dit, bon, si tout le monde me le demande, c'est qu'il y a quelque chose qui veut. Donc, où c'est nous? Il y avait plus de satiriques sur la place de Dakar depuis 10 ans. Oui. Et puis, je veux dire, pour moi, je refuse la responsabilité qu'on veut m'imputer. Si. Non, c'est ma fréquentation avec Ibo qui m'entraîne dans... Je veux dire, j'ai un métier très sérieux par ailleurs. Ouais. Donc, voilà, quoi, il m'a embarqué dans cette aventure-là. Moi, je suis la 5e roue du coche, quoi. Vous êtes un couple très amoureux, visiblement. Pas du tout. Mais vous êtes mignon quand même. Non, c'était une boutade. Alors, où c'est nous? Edgar. Oui, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser aussi grandement à la satire? Je m'intéresse à la satire, j'allais dire, par le même cheminement de vie et le même cheminement intellectuel qui nous parle, quoi. J'ai un point de vue de lecture. Après, effectivement, j'ai abordé la presse par la presse écrite avant de sévir sur d'autres types d'organes de presse. Mm-hmm.
Mais le vrai intérêt, quand on fait un texte, finalement, c'est de voir comment on peut aller à contre-pied de l'idée la plus généralement répandue, comment on peut, voilà, un peu secouer le cocotier, quoi. Oui. C'est comme ça que je me suis intéressé à la satire. Et en 99-2000, quand Iboufal lançait le tract, alors qu'on s'était connus dans un quotidien avant le matin, j'ai été très associé, austère. Très austère le matin, j'ai été associé donc à Trash, où il m'a lâchement abandonné. Vous parliez d'Amour Trash tout à l'heure, pour aller créer un autre quotidien. J'ai été obligé de faire continuer, en tout cas. C'est un petit enfant de plume quand même qu'on me reconnaît, donc bon, je le mets à mauvais escient, au service du mauvais escient. Oh, vous êtes modeste, mais parlons de l'administration. Quand on décide de créer un journal satirique au Sénégal, ou un journal de manière générale, et quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer? Est-ce que ça se fait de manière très, très simple, ou il y a... À part être reproché. C'est le seul obstacle. Ok. Parce que tu fais une déclaration, qui n'est même pas une autorisation. Tu déclares juste que tu vas faire un journal. Et tu as un dépôt légal. Dans les 48 heures, tu dois le déposer aux archives. Oui. Voilà, au bureau du procureur, au ministère de l'Intérieur. Ok. Mais c'est vraiment après coup qu'on peut te sanctionner, mais il n'y a pas de censure avant la publication. En termes d'imprimerie et d'investissement, est-ce que ça demande une grande logistique? Non. Ça dépend de ton ambition. Si c'est un journal, un quotidien, c'est une entreprise, effectivement, ça demande quand même des investissements lourds. Oui. Mais nous, ce qu'on fait, c'est un journal qui se fait vraiment sur le coin de la table. Voilà. C'est un travail artisanal, quoi. C'est artisanal. Franchement, oui. On n'avait pas l'ambition d'en faire un gagne-pain. On a eu envie d'un support où on peut se lâcher, parce que nous sommes dans de la résistance. Tu sais, le rire, et je trouve que c'est ça le rôle de la satire, c'est quand tu es dans une société qui se sclérose, le rire permet de reculer les limites des libertés, de résister au crétinisme ambiant, et je dis que la satire c'est un navire amiral par rapport justement d'abord à la liberté de presse, par rapport à la qualité d'écriture et au journalisme, à la pratique du métier du journalisme. Et c'est ça, je pense, le vrai rôle de la satire. Est-ce que la satire trouve son public au Sénégal? Est-ce que vos ventes sont multipliées? Est-ce qu'il y a un réel public qui s'affirme à Dakar et ses environs, qui aime la satire? Suleymane, je vais vous soupçonner de vouloir décliner Confluence en journal. ça ne risque pas d'arriver. Nous partons en vacances. C'est notre dernier numéro de la saison. Non, il y a certainement un public, mais effectivement, la satire, ça reste dans un créneau. Il existe quand même, ne serait-ce que, j'allais dire, entre nous, sans fausse modestie, du fait de la qualité, j'allais dire, de l'écriture, et le prix mensuel aussi, il est à 1000 francs CFA. C'est quand même dans le haut du panier d'un point de vue de prix. Voilà, c'est le prix que vous... Donc vous vous adressez à une élite, au moins intellectuelle, peut-être pas de l'argent. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu sectaire, ça? Non, moi je pense qu'il y a aussi, il faut tirer vers le haut et pas niveler vers le bas. C'est un peu ce que nous nous sommes dit, quoi. Oui, si vous permettez, moi je voulais revenir un peu en arrière sur la question des obligations légales. Oui, bien sûr. Il y a une tête de la carte de presse. Il y a une commission d'attribution de la carte de presse qui est supposée exister au niveau du ministère de la Communication. Mais ce qui se passe concrètement, c'est qu'on ne demande sa carte de presse à personne qui écrit, quoi. Et l'autre chose, il y a le dépôt légal qui est supposé, je dis bien, se faire au niveau des archives nationales. Et là aussi, l'épisode... le souvenir que j'ai, c'est que c'est quand le journal dont j'avais la charge, dont j'ai hérité d'Iboufal, a eu un problème qui a créé un tollé national, c'est là où on m'a obligé à faire le dépôt légal, alors qu'il existait quand même depuis 2 ans. Est-ce qu'on peut entrer dans les détails sur le cas évoqué? Juste pour parler des obligations légales, quoi, qui existent mais qui ne sont pas enforcées, quoi, pour utiliser un anglicisme. Ok. Alors, Neyman a une question à vous poser. Oui, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de journaux sénégalais. Et donc, ma question porte sur la présence des illustrations de presse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve
automatiquement dans toutes les publications ou bien dans quelques-unes. Enfin, je veux pas parler de quelque chose de satirique, mais au moins une illustration qui porte sur un événement médiatique ou politique, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve, quelque chose qui est normal dans la presse sénégalaise ou est-ce une exception? Vous, quand vous parlez d'illustration, vous incluez les photos? Non, pas les photos, juste... Les photos sont incluses dedans? Non, les caricatures plutôt. Je enfin, les caricatures, les dessins. Un peu comme le chat de... Il y a quelques publications qui ont le plaisir de compter des caricaturistes dans leur colonne, mais c'est pas systématique. Mais il y en a, hein, par exemple, Nouvel Horizon, il y a un mec qui est vu, parce que le fondateur de Nouvel Horizon a été directeur du Cafard Libéré, le dernier grand satirique en place, et il a cette culture, donc là, un caricaturiste. Il y a Le Soleil, qui a toujours eu un caricaturiste depuis les années 75, avec Sambapal, qui faisait voilà, de la bande dessinée. Oui. Il y a quelques journaux comme ça qui ont un petit carré de caricaturistes, mais c'est jamais assassin, c'est jamais très méchant. Comme un journal satirique comme le nôtre, nous sommes des méchants. Bon, bête et méchant. Non, mais c'est très bien d'ailleurs. On va parler des choses maintenant qui fâchent. Alors, est-ce que dans vos carrières respectives, vous avez dû affronter... des ennuis à la fois judiciaires ou liés à la censure. Est-ce que vous avez pris des risques que vous avez payés? Il va assurer votre protection après coup. Non, pour ce qui me concerne, jamais. Il a fait... À moins que vous ayez des dossiers pour me rafraîchir la mémoire. Hein. Alors, il a fait une garde à vue pour avoir déshabillé un premier ministre. Oui, c'était Major Boy en 2000 ans. Voilà. Mais racontez-nous ce qui s'est passé. D'abord, après 10 ans et plus de 10 ans, il y a prescription. Oui, mais nous ne sommes pas des juges, hein, vous savez. On est tout à fait clément avec vous. On n'est pas au grand jury de Mamoudou Ibarkane. Non, ça ne risque pas. Mais l'autre chose, c'est que c'est une garde à vue totalement abusive, qu'au bout du compte, toutes les poursuites ont été abandonnées. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Et l'ordinateur restitué. Et l'ordinateur coupable, parce que c'est l'ordinateur qui était coupable. C'était en garde à vue. A été restitué. Et puis, non, pour parler sérieusement, je pense qu'il y avait peut-être un problème de sensibilité religieuse et de pudibonderie nationale qui avait été mise à l'épreuve et en cause. Mais d'un point de vue déontologique, c'était totalement borné et clairement assuré, quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous aviez fait? Lui, il avait fait. Oui. Dans ma démarche. Non, là, comme disent les Ivoiriens, vous voulez manger votre piment dans ma bouche. Je comprends pourquoi ils sont hors de la Coupe du Monde. Il y avait un faux montage que j'ai assumé et que j'assume en tant que directeur de publication à l'époque. Oui. La tête voilée du Premier ministre sur un corps de... Un petit tenu. Oui, mais bon, je te laisse la raconter, cette anecdote-là. Et je veux dire, dans un contexte de déclaration de politique générale qui devait avoir lieu 5 mois après sa nomination comme Premier ministre, tout le monde attendait cette déclaration de politique générale. Tout le monde a titré là-dessus. Donc, je veux dire, on s'appelle Tract, on ne s'appelle pas Le Soleil. On devait en faire un traitement satirique. Oui. Parce que c'était la culture du journal qui avait fait de photomontage, hein, peut-être sans nudité. Oui. Et surtout d'hommes plutôt que de femmes. Oui. Et il y avait le coefficient personnel de Mamadou Boy qui avait beau être divorcé, célibataire, n'en était pas moins quelqu'un de très austère. Et voilà, Mamadou Boy se dévoile. Hein. En plus, elle était sèche comme un sautier. Oui. Mais on a compris le message, mais est-ce que le corps que vous lui avez greffé sur la photo était avantageux? Attendez, moi j'ai... Absolument. Mama Diorboy était totalement à son avantage. Une promotionnaire et de la même âge que Mama Diorboy m'a fait dire, avec cette photo, pour une fois, Mama Diorboy était belle à regarder. Voilà. Cette histoire-là, je dois le dire aussi, c'est fini à la Sénégalaise, c'est-à-dire qu'on nous a restitué... très courtoisement, au bout de 6 mois, notre ordinateur après nous avoir abandonné. J'ai fait une visite de courtoisie chez Madame le Premier ministre, où on a parlé de tout et de rien, sauf du corps du délit. Je ne parle pas de son corps, elle, mais... Oui, on va faire une petite pause au propos de Hussein. Moi, je n'étais pas,
pas dans l'histoire Mamadou. Oui. En revanche, 10 ans auparavant, il y a un bonhomme dont on avait parlé dans les bulles, à l'époque j'étais dans le témoin, et qui avait mal pris ça, et donc qui avait débarqué dans nos locaux en tirant des coups de feu. Ah. Et qui s'est fait suicider. Oh, oui, c'était en 92, je crois. Oui. C'était un confrère, enfin si on appelait ça comme ça. Il avait un journal qui s'appelait Promotion. Mmh. On avait fait un petit. C'était un entrefilé, quoi. Ok. C'était vu du témoin. Parce qu'il avait lu un recueil de poésie qui s'appelait Cœur d'or. Mmh. Et j'étais même pas l'auteur de ce commentaire. Qui terminait en disant qu'il a été ému parce que quand on a parlé de Cœur d'or, il a dû se sentir concerné. Ok. Donc il a débarqué, il a tiré 3 coups de feu dans nos locaux, il a molesté le gardien et il disait qu'il allait nous défendre. Et il a été arrêté par la police, j'espère. C'était moi, c'est un pas du tout, parce qu'il était protégé par, à l'époque, le ministre des Nains. Ah. Donc la gendarmerie l'a entendu, mais vraiment très poliment. On l'a relâché. Le juge d'instruction, quand on a porté plainte, nous a même a failli nous jeter en prison pour avoir porté plainte contre l'ami de respectable monsieur. Et donc, il ne s'est rien passé, quoi. Ah oui. Ouais, mais c'était Soudiouf. Heureusement que Souad, ça a changé. Parce que nous, on a fait un autre truc. Je ne sais pas si vous étiez au courant, en 2002. On a fait l'interview d'un marabout, voyant je ne sais pas quoi, qui disait qu'il était à l'origine de la chance des Glasgow. Oui. Il allait casser le pied. Oui, à la Coupe du Monde. C'était carrément voilà. Bien. Oui. Et donc, nous, on a essuyé des insultes, des menaces de mort et tout. J'ai déposé plainte, le procureur s'est assis sur mon dossier. Ah. Et puis, on n'a plus reparlé. Voilà. Ah oui, c'est le laxisme. C'était sous la justice sénégalaise. Sous ça, c'est des instructions fermes. Si Glasgow allait en Coupe du Monde. Oui. Si on osait lui parler de plainte, d'ailleurs il avait fait une déclaration en disant le procureur n'ose pas me convoquer. Ah ok. Nous on nous a insultés et puis voilà. Ah, après les marabouts, c'est les charlatans qui font plier l'État. Alors, on va faire une première pause, alors les chroniqueurs vont vous interpeller. D'abord Lynx et ensuite Touko. Oui, en fait j'avais une question tout à l'heure, je voulais vous reprendre sur ce que vous aviez dit tout à l'heure comme à propos du rire. De la satire en général, comme manière de lutter un peu contre la crétinisation de la société, comme manière de lutter un peu contre la bêtise. Mais je sais pas, vu la scène sénégalaise actuelle, vous pensez pas justement que c'est l'inverse un peu? C'est-à-dire que c'est nous les petits cons. Je voulais pas vous indexer spécifiquement, je voulais dire. Vu la scène humoristique générale sénégalaise actuellement, est-ce que ce n'est pas plutôt le rire qui contribue à abêtir un peu la population, quoi? Mais ça dépend du rire. Et je pense d'ailleurs que, par exemple, il y a Kucha qui sévit quand même depuis une vingtaine d'années. Hein. Depuis trop d'années. Ben non, moi j'aime bien. Non, il a un rire très populaire, très populiste, mais il ne fait rien. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui fait de la recherche. Qui suit l'actualité, qui fait un effort et qui contribue à dérider un peu l'opinion. Mmh. Et je pense qu'il est très révélateur de l'état d'esprit général. Je pense que des gens comme, comment il s'appelle encore, il y a un drôle de pistolet qui est sur la RFM aussi. En fait, c'est des rigolos qui ont l'air de faire du bas de gamme, mais je pense qu'ils ont quand même une fonction satirique. Okay. Et ils sont au niveau du grand public. Et ça, c'est important. Parce que, justement, non seulement ils reflètent l'état d'esprit du grand public, avec ce regard ironique qui semble dire aux hommes politiques qu'on n'est pas dupes, mais ils permettent aussi de ramener ces gens-là à leur dimension humaine, de leur faire comprendre que, bon, c'est des gens qui n'ont pas la vérité absolue. Ok. Non, mais Ibou, si tu permets, moi je voudrais qu'on rajoute à cette caste-là celle des revueurs de presse, pour autant que ce terme-là soit approprié. Mmh. Mais la revue de presse aujourd'hui est devenue un exercice satirique au Sénégal. Oui. Oui. Ceux qui la font comme des batteleurs avec un tempo
et une diction et une déclamation totalement théâtrale et satirique. Et je crois que ça concourt quelque part à humaniser, en tout cas à ramener au niveau du peuple, une classe politique qui s'exclut de ce peuple-là dans un système qui est plus royaliste que républicain. Bon, je pense qu'effectivement, dans une société aussi corsetée que la nôtre, c'est bon, c'est utile comme soupape, pour un peu décompresser, quoi. Oui, c'est parfait. Il y a Souleymane Ly Touko qui vous interpelle. Concernant la revue de presse dont on parle là, bon, je ne veux pas faire le grand con orthodoxe. Non, vous sautez sur l'occasion et vous faites feu de tout bois. Non, ah, ouais, ben, parce qu'en vrai, j'allais parler d'autre chose, et puis il y a eu des longueurs, puis on est arrivé à autre chose, etc., etc. Donc je voulais juste vous interpeller 2 secondes pour vous donner mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Concernant la revue de presse, comme je disais, je ne veux pas faire l'orthodoxe et tout, machin qui veut coûte que coûte qu'on soit dans la méthodologie classique et tout. Mais le problème justement, c'est que moi je trouve que ce n'est pas de la satire, c'est qu'il tente souvent à véhiculer une idée qui va avec le peuple, qui va avec ce que le roi va entendre. Il y a du populisme dans cette revue de presse-là, et je trouve que ça va... C'est définitivement démagogique. Oui. Voilà, et je trouve ça bien dommage, parce que je trouve qu'ils vont à côté de... J'aime bien le côté théâtral, pourquoi pas déclamer de façon ridicule, tout ça, de façon pittoresque, machin, ce que tu veux, ok, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'on verse dans la démagogie et dans le populisme, comme beaucoup le font d'entre eux, je trouve que c'est très dommage, quoi. Oui. Je précise que j'en parlais pour dire que nous ne faisons pas la même chose. Ah oui, d'accord. Nous essayons de tirer vers le haut et pas de niveler vers le bas. Exactement. Et bien, c'est tout à fait louable. Parlons de ce que vous faites. Alors, est-ce que il y a des limites que vous vous fixez? Est-ce qu'il y a des sujets dont vous ne parlez jamais? La religion. Ce que j'appelle la laïcité, l'apostrophe à laïcité. C'est un territoire où on ne peut pas trop s'aventurer. Les marabouts, oui, mais le chef suprême, le rallye général, écoutez, je pas, Sanyogo, avait essayé. Je peux m'introduire dans votre tête. Bien sûr. Ça fait mal, là. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a deux manières d'être satirique. Il y a ceux qui défendent des positions de droit et donc qui sont tentés de ne pas ménager la susceptibilité et l'entendement du grand public. Il y a l'autre manière de faire, c'est la position de reconquête des intelligences. C'est-à-dire que tu sais que tu auras affaire à des résistances, parfois même sauvages et farouches, et que tu es obligé de les acclimater et donc faire reculer les limites de l'intolérance, ça se fera de manière stratégique et par étapes. Oui. C'est-à-dire pour que les gens s'habituent à être critiqués, pour que quand les vérités désagréables arriveront, ils seront préparés à ça. Okay. Et donc, je pense que nous sommes dans un pays comme le nôtre, nous sommes dans une posture de reconquête de la tolérance. Okay. Et donc, d'ailleurs, la disparition des journaux satiriques en est l'illustration. Oui. On a un peu perdu ce panache. Oui. Et moi, dans l'esprit du tirailleur sénégalais, c'est comme les soldats qui allaient à la conquête des autres Africains. C'est vrai, nous sommes des renégats, mais on assume. Oui. On est, pour moi, il faut reconquérir les intelligents. Oui, c'est normal. Même si on n'est pas, on n'a pas la vérité absolue. Hein. Oui, il y a vos propos inspirent à Mbougar un commentaire. Mbougar. Oui, moi j'ai simplement une question d'ordre très technique hein, finalement. C'est que on sait que la satire est difficile lorsqu'il s'agit de l'écrire. Alors, je voulais simplement vous poser une question sur les relations entre écriture et satire. Est-ce que, c'est une question très technique, hein, assez pratique, mais lorsque lorsque vous choisissez un sujet, d'abord comment est-ce que vous choisissez vos sujets, comment est-ce que vous l'écrivez, quels sont souvent vos angles d'attaque, et surtout est-ce que vous trouvez l'exercice difficile, parce qu'on sait que rien n'est aussi difficile que d'écrire pour faire rire. Si je peux répondre, quand on fait dans la satire, je veux dire, on fait dans le plaisir d'écriture, quoi. Mmh. Et que tous, autant que nous sommes soit des écrivains
assumer ou en devenir ou rater pour ce qui me concerne, parce que j'ai peut-être pas le fond et la respiration pour faire des textes longs. Dans les textes courts, je m'épanouis. Voilà, après, en termes de conférence de rédaction, on l'a fait sur une table. Voilà, on discute de l'actualité, de ce qui va venir, de ce qui est passé. Et c'est comme ça qu'on tombe d'accord sur des sujets et on essaie d'avoir un bloc qui soit un peu le bloc central de ce qui fera le numéro qu'on va venir, quoi. Oui. Mais effectivement, la satire écrite, c'est d'abord un plaisir d'écriture où on joue avec les mots, où on essaye de croire à l'intelligence de celui qui va nous lire, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Iboufa, là, là. Donc, techniquement, la seule contrainte qu'on peut se donner, c'est peut-être, on a tendance à écrire long, c'est peut-être de charcuter ou de diviser le même texte en deux ou trois articles plutôt que d'en faire un seul. Alors, Iboufa. Ah, moi, ce que je voulais dire de la satire, hein, et là, Fatima, il nous a demandé techniquement comment ça se passe. Je pense que la satire, c'est d'abord le regard qu'on pose sur les événements et sur les individus. Et ensuite, de mon point de vue, je pense que c'est l'évidence même. Et la satire, je pense, est surtout là de relever l'évidence quand elle n'est pas aussi flagrante dans un monde torturé. C'est-à-dire que... Très belle formule. Voilà, c'est quand c'est frappé au coin du bon sens et que le bon sens n'y est plus, que la satire a toute son identité et a toute sa grandeur. Oui. C'est évident. Je pense qu'on ne peut pas faire de la satire en étant ridicule. Il faut dire des choses évidentes. Oui, moi j'aimerais faire une petite intervention par rapport à ce qu'a dit Mougar tout à l'heure, en évoquant le fait, enfin la difficulté d'écrire l'humour peut-être. Et en fait, ma remarque portait sur le fait que vous disiez que vous n'aimiez pas aborder la religion dans vos... Non, j'ai pas dit ça. C'est pas que je ne... Oui, c'est vrai que c'est plutôt moi qui l'ai dit. Oui, en disant que... Oui, voilà, que c'est un peu sensible. Que c'était parce un peu que, une limite. Sur ces sujets-là, c'est délicat. Oui, On sévit, on commet. Tout à fait. Mais voilà, s'il y a une levée de bouclier, on est obligé de rendre les armes. Oui, mais est-ce que... C'est là que je dis qu'il y a deux postures dans la satire. Il y a celle de droit à... C'est-à-dire que là où on se dit je proclame l'évidence, et quel que soit le choc que ça peut causer, c'est mon droit, ça c'est une posture satirique. Oui. Et l'autre, c'est de dire je vais proclamer l'évidence que les gens peuvent accepter. Et c'est là que parler de la religion, parce qu'en matière de foi, il n'y a pas de rationalisme. Je vais vous donner un exemple très simple. La première édition du Pirailleur a fait la une sur les marabouts. On a titré « Les marabouts ne parlent plus de Dieu ». Et on a sorti toutes les déclarations des derniers mois où ils ne parlaient que de politique et ils ne parlaient plus de religion. On a fait une sur ça. On a démontré que les chefs religieux ne s'intéressaient plus à la religion. On ne nous a pas brûlés pour autant. Mais je pense qu'il faut faire reculer les limites. Mais c'est une conquête, à mon sens, qu'il faut analyser comme un retour au bon sens. N'estimez-vous pas donc que vous vous êtes un peu fait devancer par les humoristes qualifiés bas de gamme comme Kucha ou Sandiogu qui n'hésitent pas à aborder la religion? Attends, alors Sandiogu a essayé, Kambecho a envoyé ses nervis pour le tabasser, il a reculé. Non, mais je ne parle pas des figures Merci maraboutiques. Beaucoup. Je ne parle absolument. Pas des figures maraboutiques. Non, ne me devance pas. Mais c'est la même famille intellectuelle. Mais tu sais bien que ça ne demande pas des efforts intellectuels. Non. Moi je suis convaincu que c'est la même famille intellectuelle, seulement on ne s'adresse pas, on n'est pas assis à la même table. En fait, je ne parlais pas d'attaque personnelle envers des personnes identifiées, mais de la religion en général. Par exemple, Kucha a interrompu son jeûne en plein Ramadan. Enfin, moi, je trouve que c'est une posture assez... assez iconoclaste en fait. Oui. Donc il se... Non, c'est qu'il avait la dalle. Si tu veux. Mais je veux dire qu'il, ce n'est pas qu'il s'attaque à des marabouts en particulier ou à des figures de l'espace public sénégalaise, mais à la religion en général. Sandiogu, je ne parle pas de Bécho, mais non, il se... Moi, ce que je peux vous dire, oui. C'est qu'on ne s'adresse pas au même public. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on a la prétention de s'adresser aux décideurs, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est qu'à un moment, en Conseil des ministres ou dans les travées de l'Assemblée nationale, donc c'est pas la même chose. Je veux dire, je vois difficilement, à moins que
ça ait déjà fait le buzz, un décideur politique se mettre au quotidien devant l'émission de Koutia, quoi. Ou de Sagnon. Mais on a la prétention, j'allais dire, d'être dans le sillage pour parler d'un journal qui est chez vous, ou du Canard enchaîné. Donc de parler vraiment aux décideurs, de sortir des scoops que la presse généraliste reprendrait. D'accord. Donc, moi, en voilà, fait... c'est dans cette posture-là que nous sommes aussi. Quoi. Oui, c'est moi, pas mon juste souhait. D'être dans un suivisme où on fait un remâchage et une réanalyse de ce qui a été déjà dit par les autres. Je suis d'accord avec enfin, vous. La qualité de nos décideurs, c'est que quand Koutia reprend Minitou en disant qu'elle accélère la cadence, oui. ça fait le buzz international et le niveau atteint par nos décideurs, nos hommes politiques, et dans le pied divers, quoi. Ils sont dans le caniveau. Et donc, voilà. Oui, mais Ibou. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait que la satire sorte un peu du politique? Parce que moi, si j'avais un souhait à formuler, c'est que la satire se fasse sur la société en général. Moi, je trouve que le satirisme sénégalais, il est trop orienté sur la politique. On ne parle que de politique. Et au bout d'un moment, les gens, peut-être, ils en ont marre. Je suis assez d'accord avec Neyman, parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que votre satire est très, très, vous l'avez vous-même dit, très élitiste. C'est-à-dire, non seulement elle est élitiste dans le sens où elle s'adresse à un certain public, mais elle est également élitiste dans le sens où elle est contre une certaine cible qui est politique, qui est une élite politique, qui est une élite religieuse. Et là, c'est que le fameux mot de Molière qu'on connaît tous, « châtier les mœurs sans riant », était également, non pas simplement dirigé vers les rois, etc., mais également vers les mœurs populaires. Et on a l'impression que votre satire, elle n'est pas tout à fait, pas toujours en tout cas, pour ne pas dire jamais, orientée vers les mœurs sociales et populaires. Ça, juste, je rebondis dessus deux secondes. D'ailleurs, tout à l'heure, Ouseinou, j'ai failli vous interpeller à ce propos. Elgas, tu me permets de m'en placer une? Deux secondes, juste. Les Anglais. Non mais voilà quoi, mais ce que je voulais dire c'est que c'est bien beau parfois là, l'espèce de prétention, l'espèce de mépris, tu vois, assumer c'est beau, c'est drôle parfois. Mais revenir vers par exemple la satire, comme le faisait Diop à l'époque dans le cafard. Le satire c'est pas mal aussi, c'est sexuel mais c'est pas mal. Oui, le satire c'est moi, c'est vous aussi. Vous êtes en forme. Et comme le faisait Diop à l'époque avec dans le cafard libéré avec Werdung, l'éternel coupable, ou Tété France avec Gorgorou, c'est-à-dire qui réussit à allier les deux, autant le politique que le populaire. Je veux dire, c'est un compromis beaucoup plus intéressant que juste se contenir à ce que vous faites, quoi. Alors, où c'est nous ensuite, Ibou? On vous écoute. Oui, non, il faut de tout pour faire un monde. Voilà, c'est un poncif. On était dans du sexuel ou du sexy à tout le moins. Je veux dire, nous, on prétend qu'on ne fait pas quand même de la masturbation intellectuelle, quoi. Simplement, on a parlé de Molière, c'est bien, parce que moi, j'aimerais faire un retour vers le futur, pour dire que Molière, quand il fait de la satire sociale, avec ses textes, ou même les fables de La Fontaine, c'est des fables qui datent des anciens, quoi, des latins. Donc, je veux dire, les travers de la société humaine, c'est pas de maintenant, et c'est peut-être pas de maintenant que ça va changer. Ce sur quoi on peut penser avoir prise, c'est ce qui nous réunit sur l'espace public, c'est la parole politique et la décision politique, quoi. Je veux dire, les chansonniers dans tous les pays du monde qui font de la satire sociale, ça a existé, mais 50 ans plus tard, est-ce qu'on écoute encore ces chansonniers-là avec le même plaisir, quoi? Je ne pense pas. Je veux dire, quelque part, c'est vrai, la prétention que nous avons, c'est peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura des jeunes et je pense, j'espère, des jeunes Sénégalais qui liront nos textes avec plaisir, quoi. Et en se disant, oui, on a peut-être la prétention d'avoir souvent, quelquefois, parfois, raison. Et bon, c'est pas une posture facile à assumer. La satire sociale, je pense qu'il y a beaucoup de monde déjà sur ce créneau-là. Tous les Sénégalais sont très critiques quand ils sont dans leur salon et dans leurs discussions privées avec ce qu'est la société et ses dérives. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi nous, on s'en ferait les porte-parole. C'est formidable. Alors, Ibou Fall ? Non, moi, je voulais juste
faire remarquer quand même que depuis 92, je publie ce que j'appelle les Sénégalais de rire. Qui sont très drôles. Hein. Très drôles, ouais. 92, j'ai publié quand même 5 ouvrages intitulés Les Sénégalais de rire, dont au moins les 3 n'ont pratiquement jamais parlé de politique. Et c'était de la satire sociale. J'ai décrit les mœurs sénégalaises et ça date de 89. Donc le premier ouvrage, je l'ai publié, c'est une compilation en 93. Et il y en a eu 4 autres après. Donc il y en a 5, c'est la série des Sénégalais de rire. Mais j'ai commencé par la satire sociale. Ok. Mais une fois que c'est dit quoi. On va pas oui, rabâcher ça. Oui, on a très bien compris. Alors, on va juste revenir pour clore ce chapitre sur ça, sur ce qui semble être le plafond de votre audace. Donc, ce sont les marabouts et la religion. Même pas. Oui, est-ce que vous oseriez aujourd'hui faire une blague sur l'épisode de Serigne Touba Amer? Voilà. Ou l'épisode de Serigne Mor Matilé qui a un prénom de femme? Non, parce que ça ne fera rien personne. Ah si, bon, moi je trouve ça drôle. Vous dessinez Henriette, je suis pas en train d'agresser Serigne Touba, moi je pleure. Non, et c'est comme ça que je dis, on peut rire entre nous. Oui. C'est-à-dire que quand on est entre iconoclastes qui ne sont pas des religieux et même des... Moi je suis un païen, un mécréant. Donc, entre mécréants, on peut se dire ce qu'on veut à titre privé. Oui. Mais quand l'ambition de faire rire... Je découvre des choses, hein. Nous aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais quand on a l'ambition de faire un journal, fera quand même rire jaune, oui. Mais amuser les gens en leur rappelant des évidences, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être que dans 20 ans, oui. Ou dans une génération, on se tordra de rire en parlant. Oui. J'aimerais rebondir là-dessus. Mm-hmm. Juste pour dire que, bon, pour ma part, je me définis comme un musulman pratique et pas forcément pratiquant. Effectivement, on a en sac à dos notre bagage de vie et de foi et de croyance. Et on a parlé de sujets qui fâchent tout à l'heure. J'aimerais retourner la politesse pour dire qu'un sujet qui a fâché, c'est que le petit railleur a repris sans autorisation formelle un dictionnaire irrévérencieux de Souleymane Gassama El Gass. Et c'est là où ça devient intéressant. Effectivement, tout ce qui faisait référence à Touba avec les porteurs de Bourdin, à Cheikh Matilé et le Khalif général, le Khalif général, tout ça, nous l'avons omis, sciemment. Parce qu'effectivement, dès qu'on rentre dans le domaine de la foi, comme disait Ibou, ce n'est pas de l'ordre du rationnel. Et comme on ne peut pas contrôler les réactions qui peuvent aller dans des proportions qui ne sont pas maîtrisables, je pense effectivement que ce n'est pas la peine de le faire si c'est pour se retrouver comme ce pauvre professeur Sankaré qui a dû capituler en rase campagne avec son Coran et la culture grecque. Quoi. Voilà. Ouais, juste une question en fait. Vous parliez tout à l'heure du phénomène... Alors très vite, on va aller très vite. Vous parliez tout à l'heure en fait du rire qui est un genre de complot, on va dire. Et est-ce que dans ce cas-ci, en fait, dans le cas que nous évoquons, le rire n'est-il pas plutôt complice? C'est-à-dire, le rire n'est-il pas plutôt connivant? Quel cas de la religion dont on parle, c'est-à-dire, on s'autorise à rire. On s'autorise, en fait, à rire dans certains domaines et pas d'autres. On s'adresse à un public. On s'adresse à un public et on est connivant avec ce public-là. Les disciples d'un marabout ou d'une confrérie faire des blagues sur les figures religieuses de leur confrérie. Ils la faisaient parce qu'ils étaient légitimes à la faire. Ils savent qu'ils sont dans l'ordre de la blague, quoi. Nous sommes d'accord, c'est-à-dire ils sont légitimes à la faire. Voilà. Ils sont légitimes à faire cette blague-là. Mais si on doit clore sur ce chapitre, je veux dire, le rire est complice au Sénégal dès à partir, j'allais dire, du cousinage à plaisanterie. Oui. Où on va se lancer des piques. On vous a très très bien entendu. Et, alors, voilà, c'est un rire qui peut être complice quand il est fait dans les cénacles qui sont appropriés pour ça. C'est entendu. Ibou Fall, alors, on va vous laisser la parole pour clore et ensuite on va vous libérer. Où est-ce qu'on peut se procurer le petit railleur sénégalais quand on est en France? Confluence n'a pas une immense audience. Il y a Marianne Samara qui le distribue. Oui. Il y a la présence africaine. Et la présence africaine actuellement. Ok. Mais il y a
à Moukamara sur y a un mail qui s'appelle le tirailleur Gmail. Oui. Dès qu'on lui écrit, elle se charge de vous le passer. C'est formidable. Alors, on va vous laisser un mot de fin à tous les deux. On va commencer par Iboufal et ensuite Ousseynou Nargué sur l'ensemble de la discussion. Et puis, on va vous libérer. Vous avez été très sympathique. Vos propos ont été très, très éclairants. Votre expérience très, très riche nous ont servi. Et je vous en remercie beaucoup. Alors, un dernier mot de fin. Oui, mais c'est juste que il faut garder le rire. Parce que je pense que c'est vraiment la résistance à la fatalité. C'est une manière de ne pas s'incliner devant son propre sort. Et nous sommes, je pense, la satire est une attitude de résistance, justement, à ce qui peut être une société sclérosée. Et c'est pour cela que nous y sommes, et je vous suis aussi. Et je pense que vous avez compris cette mission. Merci. Voilà. Et que nous sommes d'une même famille intellectuelle. Quoi. C'est formidable. Voilà. Où c'est nous, pour clore? Non, juste pour dire, le rire est le propre de l'homme et le sourire est le propre du Sénégalais. Voilà, je vous remercie de cette invitation et je continuerai à suivre avec plaisir Confluence comme j'ai pu le faire ces dernières semaines. Voilà, merci de votre invitation. Allez, c'est formidable. Juste une dernière question. Par exemple, on a une tradition dans Confluence, c'est de se quitter en musique. Donc, quel choix feriez-vous pour nous? Mettez-vous mettez-vous d'accord sur un morceau et soumettez-le nous. Allez, Souleymane Faye, vous aussi. Je le savais, bien sûr. On aime Souleymane Faye. Alors, mais lequel? Souleymane Faye, quel titre? Oh, Aminta Diaye. Ah, attendez, alors l'original ou le remix? Parce qu'il y en a deux. Oui, l'original. On va rester sur l'original. Ok, avec l'espèce de sonnerie de 3310 au début. Ah, formidable, vous avez été formidable. On vous libère, on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.
discussion super sympa avec Osino Narguey et Boufal. On retrouve notre petit comité de confluence pour continuer à parler quand même du rire. Ils nous ont donné leur version, leur acception du rire, leur pratique du rire, leur expérience. Alors chez nous donc, je pose la question à Souleymane Gueye. On a parlé de Dieudonné lors de notre première, on a parlé de la liberté d'expression. Effectivement. Je vous pose la question, carte sur table, sans détour, comme à eux, peut-on rire de tout? Nos invités ont parti répondu à la question. Effectivement, au Sénégal, ils nous ont bien fait savoir qu'il y avait une certaine autocensure, notamment par rapport à la religion. Et je suis assez partagé parce que quelque part, je trouve que c'est dommage. Effectivement, la satire, ça doit permettre de lever certaines barrières, de faire qu'on puisse critiquer pas mal de choses. Mais après, là où je suis d'accord avec c'était M. Ousmane Narguey, il me semble qu'il l'avait évoqué, c'est que la satire gratuite, moi je trouve qu'elle n'est pas très utile. Parce que moi, justement, quand il parlait, ça m'a fait penser à ce qu'il y avait eu ici en Europe avec les caricatures sur le prophète. Sous le principe de caricaturer, d'accord, mais après dans quel but? Si c'est juste caricaturer pour blesser des gens, j'en vois pas l'intérêt. Comment on mesure ça, le fait de caricaturer pour blesser des gens? Non, c'est drôle. Moi, la question que je me posais à cette époque, c'est quel était l'intérêt de les gens voulaient revendiquer l'existence d'une certaine liberté d'expression qui, selon eux, était bafouée. Est-ce que si on caricature aujourd'hui le prophète Mahomet avec une blague très drôle, c'était un intérêt comique. Il y a un intérêt comique, mais après, il ne faut pas non plus que ce soit fait dans un but gratuit. C'est pour ça que je dis. Est-ce que c'est pas de l'autocensure, ça? Et c'est la réaction des Arabes qui a provoqué. Je suis partagé parce que nos invités nous ont bien fait comprendre qu'il y avait de l'autocensure, ce que je trouve dommage quelque part. Mais le fait qu'on ait la liberté d'expression ne doit pas être une excuse pour moi à faire de l'humour gratuit. Il est impératif de défendre cette liberté d'expression-là. Quand les Arabes ont réagi aux premières caricatures, aux toutes premières, c'est ça, c'est là qu'il y a eu le faux poudre et que derrière, en Europe, tout le monde a repris le truc. Hein. À la base, il y avait juste un petit journal minable danois qui l'avait fait et qui n'avait pas besoin de cette publicité-là. D'ailleurs, eux, ils en ont très bien profité derrière. Oui. Voilà, ils se sont fait une grosse pub. Donc, pour répondre vite fait à la question, tu me demandes si on peut rire de tout. Écoute, moi, je te réponds qu'on doit rire de tout. Après, rire, il y a rire et rire. Comment rire? C'est là que la question principale est, je veux dire. Comment, il faut avoir le temps. Quelle est la méthode, par exemple, que vous préconisez? Dès lors que c'est fait avec talent, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Par exemple... Mais le talent est inégal. Par exemple, les publics ne sont pas réceptifs au même talent, par exemple, qu'il y a dans le marché. Je suis tout à fait d'accord. Le talent est une notion... Je suis tout à fait d'accord, mais... En elle-même, assez incernable. C'est clair. Mais il est des gens qui ont fait l'unanimité. Quelqu'un comme Pierre Desproges, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis désolé. Vous me caressez dans le sens du poil. Non, ce n'est pas ça, c'est que dans l'écriture, comme Frédéric Dard, là je m'auto-caresse dans le sens du poil. Oui, mais les cagoles à Marseille ne peuvent pas lire Pierre Desproges. Mais les cagoles à Marseille, je veux dire, leur avis ne compte pas. Oui, sauf quand elles sont dans le lit. Sauf quand elles sont à quatre pattes. non, mais en fait, là où je suis peut-être pas d'accord en fait, avec ce que vous avez dit, c'est que... Vous tu commences par me vous voyez. Avec ce que vous avez dit de Souleymane, c'est que en fait on peut rire de tout, on doit rire de tout, mais du moment où c'est politisé, c'est-à-dire le cas des caricatures sur le prophète, je trouve que c'était salutaire. Mais ce qui s'en est suivi, pour moi, c'était réellement politique. C'est-à-dire, la visée n'était pas humoristique. La visée qui s'en est suivie, après la première caricature, j'étais totalement d'accord en fait que la réaction des musulmans, des arabes était disproportionnée. Les caricatures qui s'en sont suivies venaient appuyer, défendre une cause. C'était plus de la provocation que l'humour qui incarne une cause, pour moi, elle est à bannir. Mais attends, là actuellement tout est récupéré aussi. Politiquement, les politiques ils revendiquent surtout, Nabila elle meurt demain plutôt, Hollande te fait un discours. Donc voilà. Un mot de Gakko. Non, mais j'ai envie juste de répondre à Touko. Ce que je remets en cause, c'est pas le droit à rire de tout. Oui. Ce que je trouve dommage, c'est que ce ne soit pas utilisé à bon escient. Okay. Les caricatures sur le prophète, ils ont le droit de les faire, mais qu'ils les fassent. Mais ils pourraient s'en servir plus intelligemment. La réaction, c'est ce que je tiens à te dire. Je ne dis pas que je suis d'accord ou que j'avalise ce qu'ils ont fait. Je dis que c'est en réaction à quelque chose de disproportionné qu'il y a déjà eu derrière. Parce que moi je suis désolé, le kidnapping de la liberté d'expression que les Arabes font aujourd'hui, c'est inadmissible.
Non, on est totalement d'accord sur ça. Oui, oui. Un mot de Gakko. Bah, moi, ce que je note, c'est qu'il, finalement, il semble préconiser une sorte de démission dès la première levée de bouclier. Parce oui. Que, moi, de ce que j'avais compris de cette polémique, justement, c'est que les journalistes et les caricaturistes avaient refusé de se plier aux dictats qui venaient donc de tous ces pays du Moyen-Orient, qui avaient voulu faire retirer ces caricatures. Mm-hmm. Et ils sont tous levés pour dire non, on ne les retirera pas, pire, on va encore les republier pour vous montrer qu'on a notre liberté d'expression et qu'on va l'utiliser. Parce qu'on est en France, on donc est déjà, en Europe, on a ce droit et on va l'utiliser. Donc, pour moi, en fait, ça, c'est une cause déjà. En fait, c'est mais une cause mais c'est une très bonne cause. Et pour moi, c'est pas juste. Il s'agit de cette cause-là. Mais pourquoi pas la photo pas, où Mahomet dit c'est dur d'être aimé par des cons, mais elle est géniale. Mais ouais, c'est là, prise à part, toutes les caricatures sont géniales. Pour rejoindre donc nos invités sur leur développement, c'est ce que je trouve assez dommage dans leur présentation, c'est qu'il y a quand même une certaine contradiction dans le fait de dire d'une part qu'on vise, qu'on discute avec une élite intellectuelle qui est donc supposée ouverte. C'est donc la principale cible de leur caricature. Okay. Mais en même temps, on refuse de s'attaquer à certains sujets oui. dont ces gens-là veulent entendre parler. Je peux répondre donc, Oui, bien sûr. Donc, non, je réponds à Gakko. Je ne dis pas qu'il faut démissionner. Mais l'exemple qu'il vient de donner, il est excellent. Quand il y a cette caricature de Mohamed où il dit que c'est dur d'être aimé par des cons, il y a un message qui est clair, il y a un but. Pour moi, ça fait avancer les choses. Mais quand on dessine Mohamed nu, effectivement, on montre bien qu'on a le droit de faire des caricatures, mais que derrière, je ne vois pas le... C'est entendu. Alors, Mouga, oui. Une question qui n'a peut-être pas de lien évident avec la discussion. Vous aimez les textes, vous aimez les livres. Oui, oui. Quel est l'écrivain, par exemple, qui a été, à vos yeux, le plus drôle? Un écrivain drôle? Il y en a vraiment beaucoup. Mais disons que j'aime beaucoup Proust. Ah oui? J'aime beaucoup Proust parce que... Ah, mais tu es un vieux. Il a vraiment un humour très, très, très fin. Je suis étonné que vous n'ayez pas cité Césaire. Oui, aussi, bien sûr. Le discours est... Dans le discours sur le colonialisme, quand il parle de Roger Caillois, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais Proust, quand même, reste... Je pense que c'est l'un des écrivains les plus drôles. Alors, une question à Neyman. Moi, j'aimerais déjà répondre à la précédente. Oh, on va essayer. Je vais mettre mon petit grain de sel. Non, mais moi, j'ai trouvé Albert Cohen trop drôle. Je rigolais dans Cohen? Le métro toute seule. Oui, Belle du Seigneur. Bon, heureusement, les babouineries. Il n'y a aucun. Ce livre est le plus chiant. Merci beaucoup. On avance. On avance. Une dernière question, Neyman. Oui. Est-ce que la liberté d'expression implique la liberté d'insulter? Évidemment, non. C'est quoi cette question? Non, parce que la liberté de provocation, la liberté de brimer, non, ça existe. Oui, mais je vous renvoie à la citation de je sais plus qui dit que la liberté des uns s'arrête où? Là où commence celle des autres. Oui. Donc, pourquoi commence avec laquelle? C'est quoi tu balances? Voilà. La liberté d'expression est un concept à la fois salué, comme très très noble et indispensable, et aussi discuté. Mm. Je pense que tout le monde en convient de ce débat majeur dans la société, dans les sociétés du monde. Mm. Mais la liberté d'expression n'est pas un visa visiblement pour l'insulte gratuite, la haine ou la diffamation. L'humour ne peut donc clairement pas enjamber une certaine frontière que le droit délimite. Gakko, vous avez des éléments techniques pour nous éclairer, on vous écoute. Je vais vous donner un cours de droit. Allez-y. Alors, t'as pas chiant. Ah, je te jure. Je vais essayer de le rendre justement le moins chiant possible. Et j'espère que j'y arrive. Oh, vous êtes méchant. Le bon sens de l'humour est la chose du monde la moins bien partagée. En effet, l'humour est audace, provocation, exagération, transgression, outrage. Et lorsqu'il fait d'un individu son sujet, il arrive que ce dernier n'y voit qu'une atteinte à sa personne, atteinte qui peut être sanctionnée pénalement, notamment par les infractions de diffamation et d'injure. L'injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective. Toutefois, lorsqu'elles ont une visée humoristique, des railleries injurieuses peuvent ne pas être sanctionnées. En matière d'humour, la sanction la plus fréquente est celle de la diffamation, soit l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. C'est la définition légale.
Celle du Larousse. Ah non. Il va pleurer. Celle du Code pénal. Alors, la qualité d'humoriste et ou de caricature ne saurait donner droit à une immunité de principe. La diffamation est cependant excusable dans deux cas. Le premier est l'exception de vérité, c'est-à-dire que l'auteur des propos établit que les propos incriminés dépeignent la réalité. Un exemple. Exemple, justement. J'ai peur. Si je devais dire que Karim Wade a une vie sexuelle très épanouie depuis qu'il est enfermé à Rebus, je devrais aussi pouvoir établir la véracité de ce bonheur que je lui suppose. Le second cas d'exonération... Non, donc si je comprends bien, si vous dites ça, il n'a pas le droit de vous attaquer pour diffamation. Si je peux... Alors, après on rentre dans la technicité. Si je le dis et que je peux établir que c'était vrai, je peux éventuellement bénéficier de cette exception de vérité. Si par exemple, mais... tu ramènes une sonde anale. Après, c'est qu'il peut y avoir aussi une exception à l'exception. Si il faut se porter candidat aussi. Continuez, maître. Il peut y avoir une exception à l'exception qui est le fait qu'on ne parle pas de la vie, qu'on ne raconte pas la vie privée des gens. Enfin, ça devient trop technique, donc je reviens à, au niveau. Je vois mon gars qui baille là. Je vais rêver. Il y a donc un second cas d'exonération qui est la bonne foi de l'auteur des propos incriminés. Exemple, si je dis qu'un juif pauvre est un juif qui tombe sur un juif plus malin que lui, je suis évidemment ironique. Je tiens à ma future carrière d'avocat et dois donc préciser ici que je ne pense pas du tout, mais alors pas du tout, que les juifs sont avant tout des hommes cupides et rusés. Ok, Bernard Madoff aime ça. Ainsi, l'humour n'est pas en tant que tel un fait justificatif. L'ironie et le comique peuvent toutefois atténuer la portée des propos jusqu'à le retirer leur caractère diffamatoire. Tout dépend en réalité de la réception des propos en cause par la communauté. Le danger et la beauté de l'humour sont dans sa subjectivité. Lorsque les propos incriminés sont jugés drôles par le public, la victime se verra tout de suite reprocher son manque d'autodérision et de recul si elle réagit. Dans le cas contraire, la mise en œuvre d'une action pénale est finalement jugée légitime par tous. Cette action pénale, justement, ne manquera toutefois pas de déclencher un effet Streisand. Ainsi, si, à tout hasard, Karim Wade écoute cette chronique et porte plainte contre nous, cette chronique bénéficiera d'une diffusion encore plus grande que celle qu'elle aurait objectivement méritée. Dans des rêves. Pour finir, je ne peux donc qu'encourager Karim Wade à nous attraire dans les plus brefs délais devant les juridictions compétentes. C'est formidable. J'espère que Karim vous écoute Confluence. Ça peut vous aider à sortir de prison. Merci, maître. Après avoir parlé de ses limites, parlons du type d'humour qui touche les Sénégalais. Pour clore cette grande discussion qu'on a eue sur le rire au Sénégal, la fine ironie ou le loufoque, alors, qu'est-ce qui fait rire les Sénégalais? À ce propos, Touko, vous connaissez très très bien l'histoire du théâtre sénégalais, la troupe d'Araïkot, qui a été un peu la figure précurseur du téléfilm au Sénégal. Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans un humour de type moralisateur? Bon, alors, non, là, je trouve que c'est très, très réducteur. Si on remonte à très loin, essentiellement, le schéma du conte des fables sénégalais, mène à une morale, fatalement. Et c'est ça qui a été adapté dans les premières pièces théâtrales qu'il y a eu au Sénégal, les premiers téléfilms qui ont été diffusés à la télé. Et donc, à partir de là, il fallait forcément ils ont gardé le même type d'humour. Mais ça a su évoluer sous l'impulsion de certains scénaristes, de certains comme Tidiane Diop justement, qui a fondé la troupe d'Araïkot et qu'on a perdu aujourd'hui malheureusement, beaucoup d'autres. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Pierre Desproges que vous avez évoqué aujourd'hui et l'humour type Gorgorlo? Oui, mais c'est beaucoup moins fin chez Alphonse Mendy, chez Tété France. Oui. C'est beaucoup plus direct parce que justement les publics ciblés n'étaient pas les mêmes. Oui. Donc, On a parlé de satire. Est-ce que le Sénégalais, ce qu'il fait rire finalement, c'est pas quelqu'un qui se casse la gueule dans le sable plutôt que quelqu'un qui écrit sur la politique en faisant des jeux de mots? Moi, si je peux l'interrompre, j'ai failli réagir sur ce sujet tout à l'heure. Justement, à mon avis, le problème de nous, Sénégalais, après, je sais pas si nous on peut se considérer encore comme des Sénégalais au niveau là, des réalités qu'on vit. Mais c'est que c'est un humour, moi je trouve, qui est. J'ai décroché, c'est un humour que je trouve qu'il est un peu moins recherché en fait. Oui. Parce que tout à l'heure, il disait Koutia sous des airs de bas de gamme, qui avait un travail derrière, mais c'est peut-être sur la forme, dans la manière de l'exprimer. Okay. On a l'impression que c'est le même type d'humour qui revient, c'est les mimiques, c'est les grimaces.
Mais il n'y a pas de finesse en fait, ça ne fait pas appel à l'esprit. Question cash, réponse courte. Saner est-il drôle? Oui. Kocha est-il drôle? Non. Sandiogo est-il drôle? Parfois. Macky Sall est-il drôle? Malgré lui. C'est formidable. On va clore cette grande partie sur ça. Un humour donc plafonné par l'intouchable religion. Un comique de situation, mais pas forcément un comique de provocation. On ne peut donc pas rire de tout au Sénégal, comme du reste, partout, à chaque peuple. C'est tabou. On va se quitter en musique après cette première partie. Et Lynx, sauvagement, qu'est-ce que vous nous proposez comme musique? Un cœur mélanésien. Vous nous avez épaté avec votre cœur yiddish la dernière fois. Oui. Si c'est dans les mêmes tons, c'est dans les mêmes tons. Justement, ce cœur-ci a été utilisé en fait à plusieurs reprises dans le cinéma. Oui. Ça a été repris dans The Thin Red Line, la ligne rouge. Ça va aussi être repris récemment dans un autre film qui je connais plus le nom de l'acteur, mais En quête d'amour ou quelque chose comme ça. Mais c'est un cœur mélanésien qui est formidable. Très court, mais formidable. C'est parfait, on écoute ça alors. Culture avec un grand C, Charles Camara, des initiales presque prédestinées, Manitou, amateur de jazz, homme de lettres classiques, professeur de latin et de grec, notamment au Britannique militaire de Saint-Louis. Il avait plusieurs casquettes, mais toujours avec le même dénominateur commun pour toutes ces casquettes, une passion pour la culture. Ses élèves et ceux qui l'ont côtoyé, la ville de Saint-Louis et tout le Sénégal par extension, le pleurent suite à son décès très très précoce. Qui était donc Charles Camara? Qui mieux que ses anciens élèves pour embrasser le portrait Mbougar? Oui, je vais faire comme on faisait au siècle dernier, je veux dire au 19e, quand il fallait faire un portrait d'un homme, on faisait tout simplement, binairement, l'homme et l'œuvre. Charles Camara, je ne le connais pas très très bien, j'ai essayé de faire des recherches sur l'homme. Et je suis tombé sur certaines petites choses que je vais vous livrer ici. Il est né en 1957, a fait des études de lettres classiques, est entré à l'école normale de Dakar et a commencé à enseigner au lycée Blaise Diagne. Ensuite, il a été affecté en 1986 au Britannique militaire de Saint-Louis en tant que professeur de lettres et de latin. Donc il a donc enseigné près de 28 ans, presque 30 ans au Britannique, et c'est pour ça qu'il était l'une des figures de cette institution, et parce qu'il a formé toute une génération, des générations entières d'enfants de troupes. L'œuvre maintenant,
Charles Camara était président du festival Duo Solo, un festival de danse. C'était un taulier du festival de jazz également de Saint-Louis, animateur de l'émission Parlons français sur Teranga FM, où il se proposait de disséquer la langue française, d'en éclairer les obscurités, d'expliquer le sens de certains de ces mots et de parler de littérature. Mais Charles Camara était surtout connu pour ses talents de conférencier en littérature, de critique littéraire, de modérateur, d'animateur, de présentateur, tout cela avec une alacrité d'esprit, une bonhomie et une énergie exemplaire. Son ami, l'écrivain Louis Camara, a confié récemment que Charles Camara préparait un roman cette année. J'aurais aimé le lire, je pense que nous aurions tous aimé le lire, parce que je pense que Charles Camara était de ces gens qui ne produisent peut-être qu'une seule œuvre, mais qui font la bonne œuvre, c'est-à-dire une œuvre grandiose, et c'est dommage. Mais je ne suis pas certain qu'il ait laissé d'instructions à propos de ce roman, mais je suis pour qu'on le publie. D'habitude, je suis contre qu'on publie les textes inachevés, mais pour celui-là, je veux bien faire une exception et je veux qu'on le publie si on le retrouve en l'état. Je suis aussi pour qu'on rassemble tous les textes de ses conférences et les articles qu'il a pu donner, parce que Charles Camara faisait également de la recension d'art, c'est-à-dire de la critique d'art, et je pense que tout ça fait partie de son œuvre. Pour le reste, je n'ai de Charles Camara que des souvenirs, ceux d'un homme fuyant, pas sûr de lui, fragile, et d'une sensibilité et d'une intelligence proprement fabuleuse. À ce propos, j'ai une anecdote encore. C'est qu'en 2008, à la mort d'Aimé Césaire, je l'avais accompagné au Centre culturel français et pour une cérémonie d'hommage au poète. Alors, Charles Camara était monté sur scène et avait commencé à improviser un texte proprement mais génial, avec tout un ensemble de jeux de mots, mais également d'une profondeur. Je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de Césaire ainsi. Mais c'était déjà très très bien et merveilleux ça, mais le plus génial dans tout ça, c'est qu'après la prestation, une prestation qui a été accueillie avec un tonnerre d'applaudissements, il est descendu, tout humblement, il est venu à mon côté, m'a regardé, m'a dit alors c'était bien, et ce n'était vraiment pas de la fausse modestie, c'est que je sentais dans son propos qu'il avait vraiment de la crainte d'avoir fait ça, et ça m'avait beaucoup, vraiment beaucoup touché. Et pour tout dire, donc, je pense que M. Charles était un griot au sens fort, c'est-à-dire quelqu'un qui élève la langue et la parole à la dimension d'une praxis, c'est-à-dire d'une attitude morale. Lorsqu'on dit, comme je le lis souvent ces temps-ci, qu'il était maître du verbe, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas simplement qu'il savait manier la langue, c'est qu'il trouvait vie en elle. C'était un honnête homme au sens du XVIIe siècle français. Son legs aujourd'hui, c'est aussi ses élèves. Charles Camara, on le retrouve chez Gaco, chez Touko, chez Jules, et peut-être chez moi et chez tous les enfants de troupe qu'il a formés. Nos condoléances à toute sa famille et à tous ceux qui l'ont connu et aimé, qu'il repose en paix. Merci pour cet hommage touchant. Balaguey, vous avez tenu personnellement, même avec des contraintes personnelles qui ne vous ont pas permis de nous rejoindre à Paris, à réagir sur cette question parce que vous avez un lien fort avec Charles Camara. Sa disparition vous a profondément meurtri. Quel est votre témoignage sur Charles Camara? Oui, je pense que tous les enfants de troupe, le décès de Charles m'a beaucoup profondément. Et je peux souscrire à tout ce que dit Mogad. Charles a marqué une génération d'enfants de troupe. D'abord parce qu'il était un des piliers du corps professoral de l'armée militaire de Saint-Louis. Mais aussi, il a été le principal animateur de la vie culturelle de l'école. Ouais, au-delà même de la ville de Saint-Louis. Et suite à son décès, on retrouve à chaque fois quelque chose qu'on a connu. Je n'ai connu Charles qu'une année, c'est-à-dire il a été mon professeur en classe de 4e. J'irais dire c'est l'un des professeurs qui m'a marqué par le fait que ni autrement. Charles n'était pas prisonnier des programmes pédagogiques. Il s'est laissé les libertés. Et à titre d'exemple, en 4e, nous avions 3 cours de français par et il avait pris la liberté, le dernier cours de la semaine, d'en faire une séance de cinéma hebdomadaire. Une séance de cinéma qui se tenait d'abord dans l'école même, au sein de l'école, mais avec des cours. Il a déplacé la séance chez lui.
Donc chaque vendredi, il nous accueillait chez lui, son modeste chez lui. On était une vingtaine d'élèves, on s'entassait, on regardait et voilà, on pensait juste passer une séance de cinéma. Alors Charles était en train de nous enseigner autrement. Oui. Son héritage est visiblement pluriel et riche. C'était un homme de musique, un homme passionné par la culture sur toutes ses formes, un homme de lettres qui a célébré la langue, le jazz aussi, un genre musical très très prisé dans l'élite de manière générale. Souleymane Gueye, enfant de troupe. Aussi, donc tout comme Balam, moi c'est pareil, Charles, donc je l'ai longtemps côtoyé à l'école, mais je l'ai eu en tant que professeur qu'une seule année. Et à travers tous les témoignages qu'on entend depuis son décès, il y a un mot qui revient souvent, c'est la générosité. Et il y en a un second aussi, c'est l'humilité. Parce que moi, je l'ai eu en tant que professeur, mais vous pouviez venir en classe, vous n'avez pas l'impression que Charles Camara, c'était le professeur qui parlait à ses élèves. Il se mettait à égal avec les élèves, et comme dit Balan, en fait, il vous transmettait le savoir autrement. Et moi, juste, donc du coup, en farfouillant un peu sur Internet, il y a un exemple parfait, c'est quand c'était il y a presque 4 ans, jour pour jour, c'était le 27 juin 2008, à l'occasion de la remise des prix au Britannique militaire, apparemment, donc c'est lui qui avait fait le discours, qu'il avait intitulé le ludique au service du pédagogique ou le périscolaire au service du scolaire, en disant qu'il fallait rompre avec l'enseignement fonctionnel routinier et abétissant. Donc je pense que ça résume l'homme. C'est formidable. Alors Gakko, vous aussi, la communauté pritane. Oui, évidemment, on est tous très touchés par ce décès et on a tous nos petites anecdotes de Charles Camara. Et moi, Charles Camara, il m'a surtout marqué dans... par rapport à son implication dans le périscolaire, justement, comme on vient de le dire, et notamment au sein du journal de l'école. Alors, la voix de l'étudiant. La voix de l'enfant de troupe, donc la vette. Et nous, quand on était en première et quand on était donc à la tête du journal, on a eu plusieurs fois des démêlés avec l'encadrement, surtout militaire, parce qu'on peut le dire maintenant, on poussait quand même le bouchon un peu trop loin. Mais Charles Camara était toujours là pour nous défendre et expliquer aux militaires que ce qu'on faisait, ce n'était pas juste, et on rejoint justement le sujet de tout à l'heure sur la caricature, tout ça, ce n'est pas juste des moqueries méchantes et gratuites, mais c'était une sorte de divertissement et qu'il s'agissait aussi de débrider la parole et de nous permettre de nous ouvrir et de pouvoir développer notre discours, quel qu'il soit. Et il a joué sur ce plan-là un rôle moteur et comme notre professeur d'ailleurs nous jouait à l'époque, et en cela on lui est reconnaissant. De vos témoignages respectifs ressort quelque chose de commun, c'est-à-dire l'ironie, l'érudition, la générosité, la passion pour ce qu'il faisait. Lynx, quand vous entendez tout ça, vous qui n'avez pas forcément connu directement l'homme, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai pas connu Charles Camara, mais sa stature en fait m'inspire justement, la stature de quelque chose qui n'est pas industrialisé au Sénégal. Quand je dis industrialisé, c'est quelque chose en fait qui se rencontre trop erratiquement, de manière trop artisanale, trop ponctuelle, pour qu'on puisse avoir un véritable legs qui soit construit et qui ne se retrouve pas ailleurs que dans certains de ses étudiants. Ce que je veux dire, c'est que c'est un legs oral, pas forcément écrit. C'est quelque chose en fait qui reste dans l'humain et pas forcément réellement dans l'héritage. On n'est pas dans l'industrialisation de la culture. Et je trouve que c'est quand même assez dommage d'avoir des personnages comme ça dont les générations futures ne peuvent pas profiter, qu'il n'y a que les générations en fait qui l'ont croisé qui peuvent en profiter. Et justement, c'est le regret en fait que ça m'inspire. Le marque assez juste. Charles Camara appartient à un petit club, une espèce en voie de disparition, celle d'esprits brillants qui ont dédié leur vie à élever les autres. Que vous inspire ce genre de trajectoire, vous qui l'avez connu tout court? Moi justement, j'ai été très dévasté la semaine dernière parce que j'ai reçu sur coup plusieurs morts d'artistes, de gens de culture, toutes les branches ont été touchées. Le cinéma a perdu Ilaï Walak, l'un des plus grands artistes de ce siècle, je veux dire, le mec qui a joué dans 160 films. Et qui vous a donné votre surnom de Touko. Qui m'a donné mon surnom de Touko grâce à son rôle dans Le Bon, la Brute et le Truand, mais qui est souvent réduit à ça alors qu'il a fait un millier de pièces de théâtre, de représentations théâtrales.
Il a joué dans Les Sept Mercenaires, Le Parrain, dans plusieurs, comme vous pouvez le voir, plusieurs trucs. Et on perd aussi Bobby Womack. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi tout à l'heure Across 110th Street. C'est une de ses chansons, c'était pour lui rendre hommage. À tel point que voilà, j'en arrive à avoir peur pour moi-même, de dire ah, comme je suis, putain, je ne passerai pas là. Enfin bon, tout ça pour dire que, vous vous souvenez, on en avait parlé l'autre jour justement, et d'ailleurs on a été interpellé pour, il nous a été demandé d'en parler un peu plus. Il faut que le Sénégal comprenne aussi que là, tout n'est pas que nourriture, tout n'est pas que l'instant présent, tout n'est pas que, comment dire, le matériel. Voilà. À partir d'un moment, à un moment donné, je pense qu'il faut que l'on élève nos artistes. Oui. Il faut qu'on les respecte. Il faut qu'on arrête de donner cette image de saltimbanque aux gens qui sont un peu plus originaux, qui osent prendre une autre voie. Il faut que les parents arrêtent de se focaliser sur l'éducation rigide, oui. Sur l'ascension sociale coûte que coûte via les études. Sans ça, si certains parents éclairés n'avaient pas fait ce choix, n'avaient pas fait un choix différent, par exemple, on n'aurait pas eu Habib Faye, on n'aurait pas eu le Khalam Niar, on n'aurait pas eu Souleymane Faye, qui pour moi est le maillon faible de Khalam, mais bon, je sais pas. Et voilà, Ousmane Sow et bien d'autres. C'est entendu. Ce dont on ne parle pas, c'est que ces gens-là ne sont pas très souvent célébrés à la mesure de leur mérite véritable. Ils sont souvent dans l'ombre pendant que le pays célèbre d'autres idoles culturelles d'un type, on va dire, pour faire dans l'euphémisme, moins évident. Comment faire, Neyman, pour un peu opérer la bascule, pour que ces gens-là, comme l'a dit Lynx, aient un leg qui puisse couvrir pour le Sénégal? C'est une question difficile que vous me posez, enfin, que tu me poses là, Elgas, mais je pense déjà que c'est très bien que voilà, l'œuvre de ce genre de personnage reste vivant dans nos mémoires. Et tout à l'heure, quand on a entendu les témoignages respectifs des garçons, je me suis posé la question de l'importance que prenaient nos professeurs finalement dans nos vies. Parce que bah, on se dit que quand on quitte l'école, on quitte tout cet univers-là et finalement, ils nous accompagnent chaque jour de notre vie. D'ailleurs, je vous sollicite pour un parallèle. Le prisonnier militaire de Saint-Louis a quelques accointances, ce n'est plus un secret pour personne, avec le collège Maria Maba où vous avez été. Oui. Est-ce qu'il y a une figure type Charles Camara qui vous a marqué à Maria Maba? Tout à fait. Je pense que toutes mes camarades penseront à M. Amadou Maktar Diallo. Oui. Et qui, professeur de quoi? Professeur de français, aussi. De lettres, toujours. Je pense qu'il il se démarque des autres professeurs. Et donc, on l'a perdu il y a 2 ans. Et c'était une perte énorme pour toutes les générations qui sont passées par Maria Maba. C'était un homme de culture, même si je ne dis pas que les autres professeurs étaient des hommes de culture, mais il avait une sensibilité, une manière de vous intéresser à la création littéraire qui fait que toute votre vie, vous continuez de penser à lui en ouvrant un livre. Voilà. Bala, pourquoi le Sénégal n'a pas des idoles culturelles aussi grandes comme Charles Camara et doit se contenter de balader comme... de balader. Lapsus qui n'est pas du tout révélateur naturellement. Question très difficile parce que, à l'inverse de Charles, peut-être que la population sénégalaise n'a pas pris la mesure de l'importance que pouvait dire la culture et ça se traduit par effectivement des idoles, je ne dirais pas qu'ils n'en valent pas la peine, mais qui pour le coup gagneraient à apprendre de bien d'autres. Oui, mais pourquoi la politique ou les politiques, on va dire, ne célèbre pas ce genre d'esprit brillant? Pourquoi ils ne leur donnent pas une grande visibilité dans les médias pour qu'ils viennent parler et partager leur savoir? Pourquoi, à votre avis, vous qui connaissez Charles Camara et vous qui connaissez un peu l'univers politique? Écoutez, je pense en tout cas, si on parle du cas du Sénégal, on est dans un environnement qui n'est pas propice à la culture. Dès que vous parlez de culture, disons... C'est pas un peu sévère? Non, c'est pas très sérieux du tout parce que essayez de vous remémorer vous-même étant jeune quand on vous parle de culture ou de choses et un peu là. De suite, vous avez un champ lexical qui se dessine autour, quelque chose d'ennuyeux, d'élitiste, de vraiment, enfin, qui ne servait limite à. Or, on se rend compte, en tout cas, quand on a côtoyé des gens comme Charles Camara, que c'est des moteurs pour toute une société d'avoir un secteur culturel qui fonctionne.
Et je pense aussi que par rapport aux politiques, le problème qui se pose, c'est que le temps de culture n'est pas celui de la politique. Oui. La politique est un beau péril, un superbe, elle a besoin de résultats immédiats. Mmh. Or, la culture n'en produit pas. Elle s'étend sur un temps. Elle est même vouée à ne pas produire par moment de résultats. Et c'est quelque chose qui ne s'accommode pas avec la politique, en tout cas, oui. Elle est pratiquée actuellement. C'est un point très intéressant. Mbougar, vous avez envie de réagir? Oui, c'est que Touko tout à l'heure a souligné quelque chose, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui n'a pas le courage de la culture, c'est-à-dire qui n'a pas le courage de se lancer dans une voie que je ne l'appellerai pas un chemin de traverse, mais c'est vraiment une voie qui fait appel à de la sensibilité, à de la patience, et ce pays ne l'a pas. Ne l'a pas. C'est, nous sommes dans un pays où il n'y a aucune politique culturelle forte. Le seul président qui l'a tenté, c'est Senghor, avec une véritable, c'est le seul dans toute l'Afrique qui a tenté une politique culturelle qui a porté ses fruits. Ce n'est pas un hasard si d'ailleurs à l'époque Sorano a produit exactement, énormément c'est que j'ai une liste de oui. choses qu'il a faites pour des gens qui se demanderaient qu'est-ce que la culture a... Allons-y. Ah oui, allons-y. C'est que... Faites court quand même. Oui, non, je vais faire court. Je vais simplement citer un ensemble d'institutions ou de lois que Senghor a mises en place pour la culture, au nom de la culture. Alors, le ministère de la Culture, créé en 66, le service des archives culturelles, créé en 67, le centre d'études des civilisations, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs, issu des ateliers de tapisserie, et le théâtre Daniel Sorano, créé en 65, qui dispose aujourd'hui encore d'une salle de spectacle, d'une troupe nationale dramatique, d'un ensemble lyrique spécialisé dans le chant et la musique traditionnelle et deux corps de ballet. Il a également enrichi le musée dynamique, a organisé le Festival mondial des arts nègres. Et surtout, il a institué également une loi dite du 1%, qui j'en suis sûr n'est plus respectée du tout aujourd'hui. En 68, cette loi faisait à tout constructeur l'obligation de consacrer 1% du coût total à toute construction publique. Mais une question. Pour financer les choses. Mais une question. Est-ce que tous les réticents à ces politiques culturelles n'invoquent pas une tentative de néocolonialisme ou du moins des relents colonialiste dans ça. Est-ce que c'est pas un c'est le procès qu'on lui fait. Simplement, on ignore tout du contenu de ces initiatives culturelles là qui étaient tout sauf néocolonialistes. Mm. Quand il joue la tragédie du roi Christophe et qu'il y a Doutassec, le fameux Doutassec qui interprète avec le grand Bachir Touré, personne ne le sait. On lui dit voilà que c'est néocolonialiste, etc. Mm. Il y a un paradoxe. Au Sénégal, dans le rapport de ce pays à la culture, c'est que nous sommes dans un pays qui est le premier, qui est toujours le premier. Les gens, les Sénégalais en général, sont très fiers lorsqu'il s'agit de mettre en avant leur culture, oui. C'est-à-dire de toujours la mettre de toujours la souligner, voilà notre Tchossan, etc. Mais quand Senghor, qui était le président culturel par excellence, essaie de porter cette culture-là, on le traite de néocolonialiste. C'est vraiment un paradoxe qui résume toute notre difficulté devant l'idée même de culture. Et oui. C'est vraiment dommage. Entendu. Après cet hommage à Charles Camara, unanimité très simple s'est dégagée, comme on peut le comprendre. On focus maintenant sur ce qu'on pourrait appeler ces clones, les serviteurs de la culture au Sénégal de manière plus générale. Alors, il y a l'indéboulonnable Sada Kane, les universitaires comme Felwine Sarr qu'on a reçu ici même dans Confluence. Une toute première question pour savoir, est-ce que, Ndeyman l'a déjà dit avec Amadou Matar Diallo, est-ce que vous avez d'autres noms comme ça qui vous viennent en tête comme serviteurs de la culture méconnus, Lens? Comme serviteurs méconnus de la culture, à part Sada Kane et des comédiens en fait. Comme même dans votre échelle scolaire, universitaire, dans ce que vous avez connu dans votre vie, est-ce que tu veux des exemples, on est prêt. J'ai eu un professeur de latin qui m'a décidément beaucoup marqué. Un professeur de latin qui m'a beaucoup marqué, qui est même la mère de mes amis, la mère de Mustapha Khan, qui m'a beaucoup marqué en fait et qui m'a fait justement comprendre l'importance que pouvait avoir, pas la langue, vraiment au-delà de la langue en fait, l'importance que pouvait avoir la recherche, l'érudition des mots en fait, de la linguistique.
dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire le fait de transmettre cet amour des mots-là pour qu'on puisse en approprier et pour qu'on puisse aller au-delà de ces mots-là, faire notre propre recherche, notre propre appropriation des mots. Je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qu'on. C'est une tâche en fait qu'on ne célèbre pas assez dans les professeurs de latin, de français, d'histoire, géographie. Généralement, c'est les professeurs des sciences sociales chez lesquels je remarque vraiment cette tendance-là. Mais c'est souvent les gens issus même de la culture, enfin, qui sont en tout cas qui en sont proches, donc des professeurs, souvent, qui portent la culture au Sénégal. Et c'est que le grand problème, évidemment, c'est qu'il n'y a jamais de mécénat au Sénégal. Il n'y en a plus en tout cas, parce que Senghor, ce qu'il faisait, c'était du mécénat d'État, mais il n'y a pas de gens qui soutiennent financièrement la culture, qui savent la place qu'elle doit tenir dans une société et qui sont prêts à investir leur argent pour soutenir les artistes. Je tiens à préciser, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. La dernière fois, je pense que tu parlais de Moustapha Ndiaye. Kerman Ndiaye, celui qui a interprété Gueloir. Oui. Tu disais qu'il fallait mettre en place un fonds d'aide, etc. Ça, Senghor l'a fait, mais je ne suis plus sûr que ça existe encore. Idée à creuser. Il y a un petit frémissement à Dakar, comme on peut le noter avec des initiatives comme la librairie Jimsan, comme la librairie Athéna, qui essaient de promouvoir la culture. Est-ce que vous avez des noms pour essayer de compléter la liste? Alors, moi, j'ai quelques références télévisuelles, parce que je me souviens que dans ma jeunesse, la télévision sénégalaise était ce qu'elle était, mais quand même, il y avait une très grande présence culturelle. À l'époque, il y avait une seule chaîne publique qui n'avait donc pas les contingences actuelles qui obligent à la marchandisation et à l'attraction de la publicité. Donc à l'époque, effectivement, il y avait plusieurs émissions, dont une dont je me souviens très bien, qui était musicale, et c'était, donc je me souviens plus trop du nom du présentateur, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était la première fois où j'avais accès à une musique étrangère qui était pourtant très proche de la nôtre dans ses racines, surtout la musique noire américaine. Et il est évident que ce sont des choses qu'on et en plus il faisait du local aussi hein. J'ai un magnifique live de Omar Penche au boulevard des Stars, on parle d'être magnifique. C'est ces éléments là qu'on n'a pas dans nos vies tous les jours parce qu'on n'a pas la chance d'avoir des parents qui ont cette culture là et c'est justement pour rejoindre le point que vous traitiez tout à l'heure sur les vecteurs de la culture. C'est un rôle que doit jouer la chaîne publique d'État. Enfin, il n'y a pas de raison que la sous l'impulsion des politiques. Évidemment, évidemment. Donc, c'est un rôle que cette chaîne doit jouer. Peut-être qu'il devrait y avoir à côté de la RTS1 ou de la 2H, enfin, je ne sais pas, mais encore une chaîne publique où il n'y a pas de publicité et qui aurait ce rôle-là. Le problème, c'est que par exemple, tu sais, on aurait pu poser, comment dire, une espèce de redevance qui permettrait de rémunérer les artistes en fonction de la diffusion de leurs produits. Le problème, c'est qu'on a perdu tous les produits d'avant 90. C'est très difficile de trouver certaines pièces théâtrales, certains téléphones et tout, parce que les bandes ont brûlé. Du coup, comment tu veux les pièces de la troupe théâtrale de Saint-Louis, la série Balaïgo, qu'on puisse pas les retrouver? Ce que tu dis est vrai, en fait, cette redevance-là, qui tous les pays, en fait, qui ont une certaine prévalence de la culture ont une forme de redevance publique. Et le problème du Sénégal, en fait, c'est que la redevance publique est très très difficile à mettre en œuvre. Et la redevance publique devrait plutôt venir du secteur politique. Donc, en fait, non, mais justement, quand je parle de redevance, je ne parle pas de la population qui y va, mais plutôt la chaîne. Mais comment composer avec l'audience très très faible des programmes culturels? De manière générale, c'est leur tâche principale. On a la chaîne Arte qui croupit loin derrière les chaînes locomotives de l'audience. Tous les programmes culturels, de manière générale, souffrent d'une très très petite audience. Comment vous l'expliquez? Je pense que donc, du coup, au niveau d'un État, c'est là que doit intervenir un peu la notion de sacrifice. Le terme est peut-être un peu trop fort, mais on ne doit pas, sous l'autel des audiences ou des publicités, dire que tel programme ne doit pas marcher, ne doit pas exister, continuer à exister. Soi-disant parce que ça n'intéresse pas assez le monde. Parce qu'il y a une chose qu'il faut souligner aussi, c'est que tout ce qui est programme culturel, c'est des programmes qui ne prennent pas forcément de valeur de façon immédiate. Autant vous allez sortir un film au cinéma, ça va marcher pendant 2-3 mois, les gens ils vont passer à autre chose. Mais un programme culturel, il y a des gens qui le découvrent 5 ans, 10 ans après,
Et c'est avec le temps qu'on se rend compte de la qualité de leurs commentaires. Neyman, si vous étiez programmatrice de TFM ou RTS, mettriez-vous Regard ou Dakar ne dort pas? Je pense que je mettrais Dakar ne dort pas, mais peut-être avec des lieux beaucoup plus insolites que ce qu'on voit à la télévision sénégalaise. Moi, c'est le grand regret que j'ai parce que, par exemple, la 2STV est supposée être une chaîne culturelle, mais on voit qu'il y a une pipolisation à outrance et que leurs programmes ne sont pas qualitativement à la hauteur de ce qu'on attendrait d'une chaîne culturelle. Oui, l'évidence. C'est ça le niveau de la culture au Sénégal. En plus, laisse une taille. Une magnifique pêche. Donc, ce que je disais là, par exemple, Regard, c'était ça, c'était l'émission de Sadakan. Ouais. Quand on était petit, après, je ne sais pas ce qu'il en disait de vous, mais moi, là, c'était une émission que je trouvais très chiante parce que c'était pas encore quelque chose que je connaissais. Ouais. Mais c'est un programme culturel et puis c'est avec l'âge qu'on peut découvrir ce type de programme et pouvoir mesurer la valeur que ça peut avoir. Non, mais effectivement, en fonction de l'âge, les programmes culturels intéressants existaient. Existent pour les minots, il y avait Diata Khalayi et il y avait aussi la télé Tanou. On n'était pas obligé de suivre Regard. Regard, c'était pour les plus vieux. Effectivement, moi, la première émission de Regard que j'ai suivie en entier, c'est parce qu'il y avait Mémoire d'enfants de troupe de Ali Ounsal qui était présentée, que ça parlait de mon école et que j'avais envie de lire. Ça ne fait pas, c'est un journal aussi qui a disparu. Il y avait aussi en fait une initiative qui s'est terminée avec la RTS, c'était de produire des films en fait sur des événements historiques et bizarrement en fait c'est là où j'ai eu mon premier coup de cœur, en fait seul coup de cœur dans la comédie sénégalaise, en fait c'est Martin Faye. C'est réellement Martin Faye. Ouais, qui est présenté aussi généralement en l'occurrence. Mais il avait une présence dans la voix, une manière de présenter, justement, de personnifier. Je pense que c'est lui qui incarne les Mabodia. Non, mais tu comprends avec Pape Faye. Pape Faye, ouais. Mais qui avait une espèce de voix de stand-off. Exactement. Quand tu parlais de là, tu pleurais, tu avais la mimole. Mais on est en pleine campagne des municipales à Dakar actuellement. Ça ne vous choque pas. Non, une grande métropole. Oui, bah là. Une grande métropole. Et la campagne est finie. Elle est finie, merci. Il faut se mettre à la page, naturellement. Mais bon, merci Bala pour la précision. Ça ne vous choque pas qu'une grande métropole comme Dakar, vous qui aimez les livres, qu'il n'y ait pas de bibliothèque. Justement, mais c'est que j'allais y venir. D'ailleurs, il faut faire la publicité de Souleymane Gueye. Voilà, il faut faire cette publicité parce que Souleymane Gueye est en train d'essayer de monter un service de librairie. Voilà, de librairie, etc. Et c'est une initiative à saluer. Aidez-le si vous le pouvez. Merci, M. Serfou. Mais c'est que c'est choquant que Dakar n'ait pas de véritable bibliothèque. La seule bibliothèque qui existe, qui soit à peu près de qualité, est au Centre culturel français. Et voilà, c'est que ça prouve, c'est qu'on parle d'élite depuis tout à l'heure, mais je tiens à remarquer, j'en suis sûr, que tous nos hommes politiques sont nuls. Vraiment nuls. Le jugement est dur. Nuls sur le plan culturel. C'est-à-dire que. Souleymane Jules Diop. Souleymane Jules Diop n'est pas bon culturellement. C'est quelqu'un qui cite beaucoup. Latif Koulibaly, c'est que on doit s'en, dans un discours quand un homme politique parle, un grand journaliste parle, c'est qu'à sa façon même d'aborder les sujets, on sent, c'est que ça affleure tout de suite la connaissance, la culture, ça affleure tout de suite. Parmi nos hommes politiques, franchement, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui aient beaucoup lu. C'est dommage. Voilà. C'est tout à fait dommage. Bien lu en tout cas. Et l'un de mes grands rêves, je termine dessus, c'est qu'il y ait une bibliothèque nationale au Sénégal. C'est entendu. Voilà. Khalifa Sall. Les arènes nationales d'abord, monsieur. Le grand théâtre. Et puis un cinéma, quoi. Un cinéma. Question culturelle donc, inépuisable. Mort de Charles Camara, très touchante. Un mot de soutien et toute notre affection à sa famille. Et j'espère que. Si tu permets, des juste ici, si tu permets, un dernier mot sur Charles. Oui. En parlant de lui au tout début, que c'était une personne pas soutenue. Donc je pense que c'était un sous-entendu. J'aimerais dire que c'est aussi ça, Charles, cette posture de quelqu'un de pas sûr de lui pour tout le temps provoquer les dialogues. Oui. Il ne venait jamais avec ses certitudes. Il voulait surtout convaincre. Voilà.
C'est pour dire, j'avais compris la vision de Bouddha, mais je voulais que les gens soient persuadés. Oui, c'est parfait. Ça participe de notre élan collectif de manière générale pour lui rendre hommage et célébrer les serviteurs de la culture au Sénégal. Avant de passer à la mécanique sanglante de la guillotine, j'ouvre ici une parenthèse un peu plus poétique. Confluence était une aventure improbable qui a finalement trouvé son petit public. Il faut donc enchanter les grands moments après une saison et 10 numéros. On n'a pas trouvé mieux que notre grand poète attitré, Lynx, pour nous faire le bilan de la saison. Lynx, on vous écoute. Le bilan de la saison de Confluence, de la première saison de Confluence, est assez mitigé, je trouve. Mitigé de la part, en fait, à la fois des chroniqueurs et des invités. Donc, je ne vais pas faire de vers cette fois-ci, je vais plutôt vous décrire le voyage, oui, on va dire, que fut la première saison de Confluence. Ça promet. Donc, ce discours est celui d'un voyage. Un voyage qui débuta au détour d'une conversation nocturne dans les rues brumeuses du février parisien, lorsque, revenant de mafé assez lourd pris au Joliba, nous entreprîmes de traverser la plate scène radiophonique sénégalaise. Pourfendant, ainsi qu'autant de chevaliers, médiocrité et consensus, les sens aiguisés et la voix apprêtée, nous nous engageâmes dans les noires ténèbres de l'abîme culturel, dois-je préciser sénégalais, que nous voulions avec une immense prétention éclairée. Le voyage débuta donc un matin de bonne heure, alors que Touko n'avait même pas encore fini de travailler sa conquête de la veille. Ça n'est pas bien, quoi. Et quel gars se rentrait d'une énième défaite d'Arsenal, la main grise et sombre, mal rasé et mal réveillé. Nous prîmes tout de suite les sentiers les plus sombres de la forêt. C'est ainsi qu'au détour d'un petit chemin, nous rencontrâmes Diodo le rigolo, blessé, enterré jusqu'au menton, en train d'être lapidé au milieu du silence complice de ses confrères humoristes. L'horreur nous prit. Nous vîmes aussi Kémi Séba, gesticulant et postillonnant encore et toujours, entouré d'une tribu plus noire que le kaki et plus gesticulante qu'une portée de chihuahua cocaïnomane. Je vous salue, maître. Plus pestilentiel que le caca. Exactement. Il va te dire qu'il a la plus grosse, qu'il a plus de vues. Il va pleurer. 56 000 fans alors que nous n'en avons que 500, ou 450. Oh, qu'est-ce qu'on est minable. Nous enfonçant plus avant dans l'abîme, nous croisâmes quelques guélurons arc-en-ciel livrés au lynchage de la morale sénégalaise. Nous tentâmes tant bien que mal de les défendre, et Mbougar, pour les protéger, se fendit même d'une confession, le coming out le plus savoureux de l'histoire de la radio. Mêlant saveur et contre-pied, il suspendit à son calme discours des auditeurs affamés, discours dont l'issue départagea de couperies gracieux le Mbahlou Saloum et le Thiebou Gorgui. Ce fut le ventre et le cœur emplis de joie que nous continuâmes la route. Après avoir, de notre verbe majeur, indexé l'onanisme et la virginité, le tabou sexuel en général... Vous avez dit verbe ? J'ai dit verbe. Allez jusqu'au bout. Ah ben, hey, osez. Je m'arrêterai là. Je changerai une lettre, moi. Si vous voulez, au montage. Allez-y. Le tabou sexuel en général, et après avoir croisé les cadavres centrafricains et ceux des talibés délaissés et ignorés par la communauté sauvage, premier numéro aussi, nous attaquions avec plus d'entrain les broussailles de la République piétinée, malmenée. Nous vîmes ainsi des jeunes éperdus d'idéal essayer de la défendre, mais aussi des religieux enturbanés essayer de la violer. Et parmi les cendres de cette bataille dans laquelle ni Semou Mama Diop, ni Ramayad, ni le racisme, ni encore l'inculture universitaire ne furent épargnés, nous surnagions, survivants éphémères de ce carnage sénégalais. Et alors, 20 semaines durant, nous nous battîmes sans jamais céder un pan d'humour, de pugnacité, sans jamais délaisser un bout de l'étendue de notre lyrisme. Et c'est au bout de ce chemin, en ce temps où la pudeur l'emporte sur l'exubérance, où l'on somme à la culture, à l'intelligence et à l'humour de se retenir, où l'on cloître dans les camisoles de fortune les rares jaillissements qui vont à l'encontre de la platitude ambiante, j'ose ce jour me livrer à une grande autoglorification, à une gargarisation à peine dissimulée pour revendiquer ce que Confluence apporte à la scène radiophonique sénégalaise.
Dame Culture vous gratifie chacun d'une décoration, à Elgas la tyrannie du style, à Bougar la perfection du trait, à Neyman la douceur narquoise et assassine de la voix, à Jules Gay le flegme toujours égal de l'érudition. Donc pensez aussi voir Penda pour ce qui est d'honorer d'un sextoy géant la plus grande bible sexuelle du Sénégal, à Papis pour l'idéal sans faille qui l'anime, à Iboulo dont rien ne pourrait faire taire la désinvolture, et à Gakko pour toujours l'érudition dans la voix. À Touko, je ne décernerai rien, à cause de son irréductible tendance à trouver niais et surcoté toute autocongratulation. Exactement. Je le sais tellement railleur, ce con, tellement libertaire, qu'il refuserait certainement le prix de la mauvaise foi qu'il mérite cependant très très cette émission de merde, c'est flagrant, c'est pas confiance. Et à tous mes amis chroniqueurs et à moi-même, qui n'avons pas remporté de prix, sachons que rien de ceci ne serait possible sans vous, sans nous, sans les auditeurs de Confluence, et que Confluence vous doit absolument tout. Magnifique. Très bien. On capitalisera sur ça pour la rentrée. Magnifique usage. Ouais, voilà, mais avec trop de pas, c'est simple aussi, putain, fais chier. C'était un voyage. Non, mais tu sais, l'homme parfait à un côté. Tu me refais ça quand je te défonce. Allez. Merci Lynx pour cette chronique, merci pour ce bilan. On va se quitter pour cette partie, du moins, à musique. Gakko, vous êtes l'homme par qui le scandale est arrivé dans Conférence. Vous avez introduit les sardines ici, et Patrick Sébastien. Mais nous sommes Clément. Voici une chance pour vous de vous rattraper. Gare à la récidive. Qu'est-ce qu'on écoute cette fois-ci? Alors, lors de la dernière émission, nous avons été au Brésil. Et donc, nous avons été à Copacabana et nous avons découvert des strings. Et découvert aussi qu'il fallait aller au-delà de ces strings. Oui. Nous revenons aujourd'hui. Donc, pour aller juste à côté du Brésil, nous allons en Argentine, dans la Pampa, à côté des gauchos. Pour écouter la Che Gross, le titre c'est Bien et demi. Ah, c'est formidable. Vous êtes pardonné pour votre premier écart. Oh, mais je ne trouve toujours pas que c'était un écart. C'est formidable. Camarada de rebelión, florcita más culpa la despedida, no digo.
Confluence après ce magnifique séjour à Argentan. La saison des coupeurs de tête avait commencé avec l'inénarrable Kemi Seba. Elle s'achève avec Barack Obama, premier président noir des États-Unis. Homme au charisme dit magnétique, sa présidence n'a pourtant pas, après 6 ans d'exercice, d'impact sur la destinée du monde. Les grands espoirs accouchent-ils à l'épreuve, messieurs, d'une petite souris? Je vous propose donc de juger Barack Hussein Obama. Mais d'abord, un rappel de quelques faits et de quelques chiffres sur la vie du bonhomme. Peut-être tiendrons-nous là quelques éléments à charge ou à décharge. Souleymane Gueye, l'arithmétique de la vie de Balaï. Enfin, de boire à comment. Décidément. Bala, je vous aime. Mais oui, je suis jeune. On voit ça. Donc, si on parle de chiffres et de moments marquants pour Barack Obama, en quelques mots, on nous a rabâché les oreilles avec l'histoire du bus de Naesna depuis 2010. En 1955, dans un combat autrement plus digne, c'est Rosa Parks qui refusait de céder sa place dans un bus. En 65, Malcolm X se fait assassiner. Et 3 ans plus tard, donc en 1968, c'est Martin Luther King. Donc c'est dans ce contexte de lutte des Noirs pour leurs droits que naît Barack Hussein Obama, le 4 août 1961. Futur président des États-Unis en 2008. Sa carrière est quelque part un formidable témoin de l'évolution des droits des Noirs dans ce pays. Au jeu des premières, on peut parler de 1990, qui voit Obama rédacteur en chef de la revue de la prestigieuse université de Harvard. On peut également parler de 1992 et de son mariage avec Michelle Obama. On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une femme. La marche des fiertés qui a eu lieu ce jour nous rappelle également qu'il peut aussi y avoir un homme. De l'avis de tous, de tous les analystes, Michelle Obama a joué un rôle important dans la situation politique de Barack Obama. Et la démensuration d'hommes. Ouais, ben voilà, c'est ou c'est un homme ou c'est une guenon. Faut arrêter. C'est horrible. Vous êtes extrême. Mais elle est moche. Allez, on écoute Souleymane. Pour continuer donc sur les dates, on peut aussi parler de 2002, qui est un moment marquant de la carrière de Barack Obama. Non pas pour l'épopée magnifique de l'équipe nationale du Sénégal, en Coupe du Monde, mais plutôt pour son entrée sur la scène nationale grâce à un discours qu'il prononce à la place fédérale de Chicago, discours notamment par lequel il s'oppose au plan d'invasion de l'Irak qui était proposé à l'époque par George Bush. Quel a été l'impact de ce discours? C'est ce discours qu'il révèle un peu au public américain, oui. Mais par son époque. Mais au final, tout le monde s'en bat les couilles. Ils vont quand même l'Irak. Au final, ça rentre dans la logique d'un parcours qu'il mène à la présidence des États-Unis. Celle de Lupin était bien mieux. Ne l'écoute pas, vas-y. Et donc, toujours dans la logique de ce prolongement, entre 2005 et 2008, il est le seul homme de couleur, comme on dit, le seul afro-américain, à siéger au Sénat des États-Unis. Et enfin, donc, la date que tout le monde a en tête, c'est le 4 novembre 2008, qui est celle de son élection. De façon plus anecdotique, on peut aussi évoquer la date d'octobre, le mois d'octobre 2009 où Barack Obama reçoit le prix Nobel de la paix, qui à mon sens relève plus d'un signe d'encouragement plus que d'une récompense d'action menée parce qu'il n'était au pouvoir que depuis 10 mois. C'est entendu. Alors, on va faire ce qu'on aime bien faire, les petits décapiteurs. On va aller très 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 vite, très 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 vite parce qu'on n'a pas de temps. Mogarsa, oui. On guillotine ou on guillotine pas Barack Obama? Non, je ne guillotine pas Barack Obama, précisément pour les raisons pour lesquelles on le critique, c'est-à-dire de ne pas avoir été à la hauteur des espérances qu'il a suscitées. Je pense que c'est quelqu'un qui fait de son mieux et le seul en parlant de président normal, je pense que c'est celui-là. Bon. Et il est à saluer qu'il ait cette forme de cynisme parfois politique, que ce n'est pas un ange, etc. Et ça, c'est bien. Pour ça, c'est que c'est un président américain dans la plus pure tradition des présidents américains, avec un zeste de charisme. Et voilà. C'est pour ça que je ne le guillotine pas, parce que ce n'est pas un saint. Voilà, tout simplement. Alors, on ne guillotine pas les sangs. Je ne le guillotinerai pas non plus. Sauf pour ceux qui ont des cancers. Il faut savoir aussi que les cancéreux sont pour la majorité des skinheads quoi. Et ils refusent d'abandonner leur foi. Bon. Ma faux prostate. On continue. Donc, vous guillotinez ou vous guillotinez? Non, je ne guillotine pas. Pour 3 raisons. Oui. Il est noir. Oui. Donc c'est pour cette raison. Vous avez guillotiné Kemi Seba? Parce qu'il était noir aussi.
Donc, je ne le guillotinerai pas parce qu'il est noir, parce que justement, en fait, on a, comment dire, les causes ont besoin d'incarnation, il est réellement l'incarnation de la cause noire. Donc, pour cette simple raison, je ne le guillotinerai pas. La deuxième raison, c'est qu'il a mis en place, en fait, un plan healthcare, en fait, qui a été le premier à initier et aussi à mener à bout, même si il y a de larges insuffisances. Et la troisième, c'est qu'il joue au basket, quoi. Ouais. Donc forcément, je veux parler du tu dis, il est noir. Tu sais que qu'est-ce que tu définis par noir? Parce qu'il y a les natifs américains qui ont dit qu'il oui, était pas esclave. C'est pas, non, en fait, non, justement, en fait, c'est pas moi. Il a du sang noir. C'est pas moi qui le définis noir, mais il est vu comme noir. Donc, oui, c'est ça suffit. Il a du sang noir. Les noirs là-bas ne voient pas comme noir. Non, mais peut-être. C'est-à-dire, mais ils sont minoritaires. On le voit comme noir, donc il est noir, en fait. On en reparlera en dehors du plateau. Les mal. Oui, alors moi, je vais pas faire exception. Excusez-moi, je bégaye de temps en temps. Je vais faire ma tourterelle roucouleuse et donc je ne le guillotine pas. Vous êtes tous des jaloux, en tout cas ceux qui vont le guillotiner. Alors, wow, maître Gakko. Je suis assez impressionné du coup. Ça. Alors. Non, alors, non, je ne guillotinerai pas Barack Obama juste pour cet espoir immense qu'il a représenté lors de sa première élection et aussi pour le fameux discours du Caire qu'il avait fait en 2009 et qui prétendait qu'il pouvait permettre un nouvel équilibre dans le Moyen-Orient. Bon, on a vu depuis que ce ne fut jamais le cas, mais déjà à l'époque, il y a eu une nouvelle dialectique qui s'était installée entre les pays du Moyen-Orient et les États-Unis qui n'était plus vue comme la puissance qui venait imposer ses besoins et ses vouloirs. Et après, ça a mal tourné, effectivement, avec l'avènement des frères musulmans. Mais finalement, ce n'était pas de sa faute. Et en tout cas, il avait essayé de rééquilibrer la balance. Et en tout cas, rien que pour cela, il mérite qu'on l'épargne pour qu'il continue sa politique. Formidable. Alors, Foucault, écoutez, moi, en 2008, j'aurais bien voulu que Ralph Nader gagne à la place de Barack Obama parce que j'en avais marre de voir de la droite, centre-droite aux États-Unis. Bon, c'est impossible, hein, malheureusement. Et donc, pour ça, j'ai bien envie de le guillotiner. Mais je ne le ferai pas parce que, bon, Obama, quoi qu'on dise, est arrivé déjà dans un contexte très, très, très difficile. Il devait... Les post-Bush. Exactement, l'héritage de George Bush, on va dire. On a compris. Et ensuite, il est arrivé aussi dans un contexte où la bulle économique a explosé, et que c'est parti en couille dans le monde entier. Et donc, il a dû faire face à cela, et malgré tout, il a porté ses couilles et qu'il a porté le Medicare jusqu'au bout. Oui. Même si, donc, comme il a très bien dit, il y a des insuffisances, il y a eu des maladresses au niveau de la méthodologie. Écoute, il faut quand même impulser un truc pour que ça puisse donner comme une avalanche à faire, en effet. Et pour finir, j'ai oublié la troisième raison pour laquelle je ne voulais pas la guillotiner. L'économie américaine, ça porte bien. Voilà, notamment. Et dans en plus, la, voilà. Dans la tempête du monde. Et surtout qu'il a aussi un peu les mains liées. Il doit toujours faire face à certains lobbies, aux États qui cassent les couilles, au Parlement qui est donc suspendu, ou qu'il a perdu un mandat, d'ailleurs, en 2010, je crois. Oui. Donc voilà. Pour cela, je ne le guillotinerai pas. Et surtout, en fait, qu'il a dû faire face à un mini Watergate, quoi. Qu'il a géré avec beaucoup d'audace. Oui. Et si c'était réellement un autre président, je pense réellement qu'une motion de censure, en fait, qu'une destitution aurait pu être lancée. Ah. Suleiman Gueye, je suppose que vous... Je ne le guillotine pas, parce que déjà, pour la place qu'il a dans l'histoire, parce que quoi qu'on puisse dire, voilà, c'est le premier président afro-américain. Ça s'inscrit dans une logique, peut-être dans 100 ans on n'en parlera plus, mais nous, pour notre génération, c'est quand même historique. Et puis c'est surtout que je ne vois pas de raison. En tant que président, il fait son travail avec ses hauts et ses bas. Il n'est pas parfait, mais je ne vois aucune raison de le guillotiner. Je me joins à ce concert finalement. Moi aussi, pour des raisons personnelles, je suis passé par tous les sentiments. Mais jamais je ne guillotinerai Obama. Je trouve que c'est un chic type et très très charmant. Et c'est sur ces notes positives qu'on va clore cette première saison et ce 10e numéro de Confluence. Un peu d'émotion sans doute en se quittant, 10 numéros, des heures de discussion enflammées et de franches rigolades, des invités bousculés, mais toujours avec bienveillance et cordialité, il faut le rappeler. Il est temps de marquer une pause, de réfléchir à la formule, de l'enrichir
d'essayer d'avoir une audience plus grande, parce que notre audience actuellement est encore trop petite, afin de vous exposer à la rentrée de septembre notre programme qui gardera quand même ses axes majeurs, c'est-à-dire l'impertinence et l'érudition. Bon été, chers auditeurs, bonnes vacances, on se retrouve dans quelques mois. Bonsoir.